Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Azeri Dural. Comment ça va les gars? Super, salut les gars. Ça va bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter le scénario, mon ami? Ben écoute, ouais. Donc, on est en train de vivre un truc de dingue, c'est que la dimension noire débarque dans New York. Le Saint des Saints est environné de dimensions noires. Et donc là, il faut qu'on intervienne pour éviter que le destin du monde ne bascule. Et pour intervenir, du coup, on a deux équipes de crise. On a une équipe en 17 points dirigée par Blade, donc des Midnight Sun avec Blade, Iron Fist, Moon Knight, ouais, et Immortal Hulk, parce qu'on s'est dit que voilà, ça manquait un petit peu de vert dans tout ça. Donc, Il est placé derrière le score en counter, que vous verrez juste après. Voilà, exactement. Et moi, de mon côté, du coup, je vais aussi jouer une équipe de crise dirigée par le Docteur Strange Suprême Sorcier avec Docteur Vaudou, Cléa, Wong et le Baron Mordo. Donc, si on ne l'a pas dit, on va le dire quand même, on va jouer l'encounter de Dormammu. Et du coup, on va être tous les deux, Azer et moi, contre notre cher Gural, qui va jouer Dormammu et deux de ses acolytes. Et tu as choisi Black Dwarf et Black Swan. Voilà, tout simplement, du Black. Pour la Dark Dimension, c'est parfait. Et je propose qu'on mette la caméra zénithale et que tu nous montres, Azer, les quatre portails et où est-ce qu'on peut récupérer dans la map les composants qu'on va mettre dans les portails. Ok, alors, les équipes de crise doivent aller chercher des composants dans les failles dimensionnelles qui sont ici et ici. Et on doit ramener ces composants qu'on tire au hasard sur les quatre portails qui sont là. Quand il y a les quatre composants de quatre couleurs différentes sur les portails, le portail est fermé, il est retiré. Dormammu gagnera donc moins de pouvoir à chacune de ses activations. Et on se rapproche de la victoire, puisque nous, il faut qu'on ferme les quatre portails pour gagner. Exactement. Eh bien, vous savez quoi? Je vous propose de commencer la partie. Et pour ça, on va enlever nos caméras et on va se mettre à jouer. Est-ce qu'on présente pas un peu la table avant? Ah bah vas-y, présente la table aussi. Hein. Donc la table, c'est la table dimension noire. Il y a pas mal de poubelles dessus, parce que j'ai fait un short sur les poubelles, donc je me suis dit, je vais le rentabiliser. Et comme on est un peu dans l'espace, c'était une réflexion sur le fait que notre espace devient parfois une poubelle à cause de tout ce qu'on y envoie. Donc, c'est beau. Voilà, c'est le moment un petit peu écologique. Et puis, une dernière chose, nous avons une régie ce soir. Vas-y, ça va Jérémy? Ça va, ouais. Appuie sur caméra. Pour que les gens puissent te voir. Caméra présentatrice. Oui, c'est celle-là. Ah, c'est moi. Voilà. Donc, Jérémy, ce sera notre régie ce soir. Bon, bah, si tu veux laisser ta cam, tu peux, mais moi, je dis, tu peux l'enlever. Je vais épargner cette vision d'horreur. À notre très cher téléspectateur. Mettez en com pour savoir si le voir, c'est un plus ou pas pour la prochaine vidéo. Un pouce pour oui. Bon, bah, du coup, est-ce qu'il y a... Parce que ça, on n'en a pas parlé, donc je me pose des questions. Vas-y. Est-ce qu'il y a un jet d'initiative pour savoir si c'est lui qui commence? Non, c'est la tactique de crise qui va commencer. Donc, on va commencer par activer trois de nos figurines successivement. Donc, mix dans les tiennes ou dans les miennes. Mais voilà, on en fait trois. Et ensuite, lui pourra jouer Dormammu et un de ses minions, ou juste Dormammu s'il le souhaite. Mais d'abord, il y a la phase de pouvoir. Est-ce que Yuri, tu as pris tes pouvoirs? J'ai pris les pouvoirs. Hop, je les ai mis sur Black Dwarf et Black Swan. Donc, un pouvoir plus un pour la présence de 1 de Dormammu. Ok. Donc là, Dormammu, il est au stade 1. Chacun. Voilà, stade 1 de la présence de Dormammu. Ok. Donc, le but, c'est de s'approcher de l'absence de Dormammu, quoi. C'est réduire sa présence. Voilà, pour que je puisse jamais marquer de point de victoire et que tu fermes tes portails en toute tranquillité. Je ferme mes portails. Ok, très bien. Ferme bien grand tes portails. Ok, j'avais bien noté. Donc là, c'est à nous de commencer. Donc, on peut après, moi, j'ai un peu peur d'un truc, Marco. Oui. Je pense que Yuri, il a choisi Black Swan parce qu'il a toujours rêvé d'être danseuse. Et à mon avis, c'est par rapport au film, quoi. Ça n'avait rien à voir avec... Ça m'étonnerait même pas. Non, parce qu'en plus, il joue aussi Mighty Thor. Et donc, à chaque fois, il y a Natalie Portman qu'on retrouve. Donc, je pense qu'il est un peu là-dessus. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai vraiment cherché du fluff. Et comme il n'y en avait pas trop pour des millions de Dormammu, j'ai cherché du black. Et voilà. Bon. Black Dwarf et Black Swan. Nous, il faut qu'on commence par activer des figues. Du coup, c'est parti. Ouais, c'est parti. La difficulté qu'on va avoir. Bah, droite, c'était pas le bon. C'est pas grave. C'est pas bon, grave. Mais regardez. Ça commence. Ok, bon, bah, on commence par Blade à l'écran. Non, mais c'est au hasard, il y a deux photos qui tournent. Hein. Ok, parfait. Donc, le truc, si tu veux, là, c'est que Black Swan, on ne peut pas la blesser tant qu'elle est à deux du truc. Oui, il faut que je l'éclate. Il faudrait que tu l'éclates. Il y a plusieurs possibilités pour ça. J'amène un petit, je la bouge, et après j'emmène le plus gros. Peut-être ce qui pourrait être pas mal, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est de venir faire un mouvement avec Iron Fist, faire un flying kick.
en espérant lui faire des dommages. Si jamais tu n'arrives pas à lui faire de dommages et que tu la pushes pas, de toute façon, tu te placeras à un d'elle. Donc, tu pourras interagir et récupérer un composant. Ça peut être pas mal. Si jamais tu arrives à la bouger, tu te placeras à un d'elle. Et comme tu auras gagné un pouvoir, tu pourras utiliser... Et lui, ses dés de défense, ils sont normaux, par contre. Ouais. Okay. Et comme tu auras gagné un pouvoir, tu pourras éventuellement utiliser ton pouvoir d'affiliation qui te permettra de bump. Et je pense que si on la pousse à 2 et que tu bumps à 1, tu te retrouveras quand même à 1 pour pouvoir prendre une composante. Donc ça peut être un petit chicha pas mal pour commencer, histoire par contre, de mettre Yuri dans le mal. Ah, si t'as pris les réglettes. Ouais. Tu veux, on échange nos... Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oh, on va se lever plusieurs fois, là. Okay. Comme il n'y a plus les caméras, on est libre de nos déplacements. C'est pas une raison pour me toucher les fesses. Ouais, c'est ça. Marco, censuré. Marco, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'enlèves ton pantalon? Tu nous fais un pingouin. Je ne peux rien savoir, les gars. Alors, du coup, je fais un petit premier move là. Donc, normalement, je vais être à portée 3 pour faire ma deuxième attaque. Voilà, Flying Kick. Donc, c'est un pouvoir à portée 3. Tu lances 4 dés en physique. Ouais, c'est Iron Fist la carte. Donc, je fais mon attaque... Flying Kick et j'ai 4 dés. Tu vois, le mec, il prend 6 dés, il a l'habitude trop de jouer. Ouais, tu joues trop d'Asgardien. Trop d'Asgardien. Allez, vas-y, là. Tu fais mal. Et ça fera une touche de crâne. Bon, c'est bon, c'est paré, mais bon. Donc, tu feras pas de dégâts, mais tu te places à 1 d'elle. Et je gagne un pouvoir, s'il te plaît. Ouais. Si tu peux me le mettre. Bah, je vais te la mettre. C'est quand même très tricky, hein. Qu'est-ce qui est tricky? Le coup de se replacer à 1, là, pour cette situation, c'est parfait. Ouais, je pensais que j'allais choper le push et tout, mais malheureusement, non. Ah non, non, mets-toi pas là, parce qu'après, il faut que tu reviennes pour le... Ouais, mais du coup, il faut que je sois à 1 du truc. Ouais, mais tu peux te mettre, juste derrière elle, coller à elle, tu vois, coller à elle contre le portail. C'est un moment, il va falloir que tu reviennes déposer les composantes que tu vas prendre. Bah, je vais me mettre comme ça, alors. Vas-y, tu choisis. Hop, voilà, nickel. C'est toi le premier qui va piocher dans le sac. Oui, et pioche devant la caméra. Je suis aussi devant la caméra. Là, hop. Qu'est-ce que tu prends? Et t'en prends qu'un, hein? Ouais, j'en prends qu'un. Tu vas voir, tu vas choper un, un bleu. Un bleu. Ok. C'est un bleu. Vas-y, vas-y. Hop, du coup, c'est Iron Fist qui porte un composante. Ok, et donc maintenant, j'ai une autre action. Non, t'as fait un mouvement, une attaque. Pour moi, c'est bon. Ouais, donc lui, il est joué. Lui, il est joué. On va passer en caméra normale. Est-ce que tu veux jouer autre chose, toi, Marco? Du coup, j'aimerais bien activer trois persos comme ça. Je vais essayer de le bouger. Moi, je pense qu'il faut qu'on garde notre Hulk pour la fin. Je sais pas ce que t'en penses. Hulk pour la fin. Ok. Ouais. Moi, j'aurais voulu le taper vite. Hein. Oui, mais le problème, c'est pour l'instant, tu peux pas lui faire de dégâts. Oui, mais du coup, j'aurais voulu ramener un autre perso pour faire sortir et taper. Bah voilà, mais ça va dépendre de ce que va faire le deuxième perso. Le push, c'est push away. C'est non, c'est push. La direction que je veux. Ouais. Donc du coup, le 8, il tape aussi à distance 4. Donc ça pourrait être bien. Qui ça? Bah, Blade, il tape à distance. Attends, il faut que tu lances un dé, je pense, pendant la phase de pouvoir. Oui, oui, mais attends, Moon Knight, ouais, je crois que c'est pendant la phase de pouvoir. Alors, c'est le début de l'activation. C'est quand tu l'activeras, pardon. Du coup, ouais, je propose de Blade, il a une attaque distance 4, qui peut gagner aussi un pouvoir. Et du coup. Alors, attention, si tu fais ça, du coup, ça veut dire que tu vas pas chercher de composante avec lui. Hein. Ouais, mais si j'arrive à le taper, à le rapprocher, après je lui mets la dose avec Hulk. Non, parce qu'il va se... Ouais, ouais, bah ok. Vas-y, vas-y, c'est toi. Hein, on va tester, de toute façon, on est là pour jouer. Ouais, en plus, tu vas lui mettre... T'as une... Ouais, si tu fais un white, tu lui mets le bleed, donc c'est pas mal. Et vas-y. Du coup, mon pouvoir de faction, si j'utilise un pouvoir, je peux bump de 1. Ouais, tu pourras bump de 1, absolument. Ok, et du coup, il faut être à distance 1 du portail pour pouvoir interagir avec lui, ouais. Ouais, donc avec un bump de 1, j'arrive pas au portail, ce qui est bien dommage. Bah non, mais on sait jamais. Mmh. Par contre, le même de 1 avec Hulk va être plus efficace. Ah, c'est Moon Knight là que tu joues du coup, pas Blade. Mmh. Ouais, Blade. Ouais. Hop. Donc, je vais le mettre là. J'ai préparé le piège. Il a quoi que dans son attaque à part. Blade, il lance 4 dés en physique. Et si tu as une touche, tu pourras avancer vers le caractère de S. Donc, ce serait bien que tu fasses au moins une touche. Et si tu as un wild, tu lui infliges le bleed. Et tu gagneras un pouvoir, je te le mets, du coup, ton gainer. Je vais te mettre ton pouvoir direct. Allez, là, faut que je t'éclate. Allez, fais-lui mal. Un critique pour deux crânes encore. Hein, non, mais t'as pas de touche, là, Marco. Mais j'ai un critique. Mais oui, allez, vas-y, une touche. Et oh là là. Ma légendaire dé de merde. Donc là, toi, t'as fait une défense en plus. Oui. Donc du coup, tu prends rien. Mais c'est bien, tu vois, je continue mes jets, c'est bien. Alors bien. Attends, est-ce que tu veux pas utiliser ton pouvoir de faction pour bump vers l'avant? Je vais le faire. Donc tu dépenses le pouvoir que tu viens de gagner avec ton gainer. Ouais. Et vas-y, tu bumes vers là. Attends, parce que Parce que t'as un truc pour te défendre, pour relancer le truc. T'as un truc pour relancer tes dés de défense. Et là, t'auras plus ça pour pouvoir relancer tes dés de défense. Mmh. Ah, mais si, parce qu'à la fin de ton activation, tu vas gagner un. Ah non, seulement s'il y a des gens avec bleed et il n'y a pas de bleed. Ouais, bon, vas-y, à toi de voir si tu veux bumper ou pas. Je pourrais pas aller chercher le truc. Là, c'est dommage. Ils n'ont pas les touches. Juste, fais voir si tu fais double bump.
Bump, tu vas là. Et bump au tour suivant, tu pourrais te retrouver à 1. Donc ça vaudrait le coup de bump à ce tour-là. Parce que si jamais elle ne bouge pas ou quoi, tu pourras peut-être rebump après, tu vois. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Bon, allez, on va le faire. Allez, hop, on dépense un pouvoir. C'est pas grave. Et puis je te laisse une activation. Hein, parce que là. T'es sûr, j'ai pas envie d'y aller tout seul, là. Je préfère jouer Moon Knight. Du coup, Moon Knight. Il faut que tu lances un dé. Je vais lancer un dé. Allez, un petit dé sympa. C'est un blanc. Alors, vierge, si tu fais un résultat vierge, ce personnage gagne un pouvoir. Ah, bon, bah, un pouvoir. Ok, lui, il attaque à distance 4 aussi. Hein. C'est bien, ils ont tous des attaques. Ouais, 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 mais 4. Tu ferais bien d'aller chercher des composantes de sort, je pense peut-être double move, et puis tu vas chercher une composante, non? Bah, en fait, si j'arrive à lui mettre un dégât, si j'ai bien compris. Ouais, mais il joue après. Donc là, après, il recule en arrière ouais, et vrai, ouais, il était baisé, quoi. Ok. Lui, il a pas un truc pour mouvement de plus? Non, c'était si tu aurais fait un bon, si t'avais fait un bon résultat. Et là, t'as quiché. Bah, pas grave, hein, ça arrive. Hein. Bah, ça dépend à qui, tu vois. Moi, par exemple, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais raté un jeu. Moi, c'est pareil. Jérém à la régie. Vas-y, fais la régie, Marco. Jérém, c'est une légende pour Marco. Yuri, c'est bon pour Choupa. Parce que... bah, il faut savoir que Jérém, c'est une légende au niveau des dés, quoi. Bah, au moins, les gens, ils savent. Pioche. Vas-y, mets la caméra zénitale, tu peux enlever la carte de Moon Knight. Bien sûr. Mon ami, tu peux t'amuser à enlever les cartes plus rapidement, parce que sinon, les gens voient que les cartes, c'est pas très joli. Ouais, bah, je me dis pendant que vous. Et là, je te laisse mettre la zénitale, comme ça, on va voir. Bien sûr. Allez, allez. Voilà, hop, qu'est-ce qu'on pioche voilà. Moi, je dis un bleu. Un bleu. Et un rouge. Oh là là, trop bien, laissez nickel rouge. Bois. Eh ben, ça y est, hein, on a fait notre office. Voilà, c'est. C'est l'activation de Dormammu. Il gagne du coup, pouvoir. Dormammu gagne du pouvoir égal au nombre de portails qu'il y a et sa présence. 4 plus 1, il a 5. Putain, 5 pouvoirs, c'est de la gruge. Oui, c'est de la gruge, pouf, pouf. Il le reconnaît. Il n'a aucune. Représente. Iron Fist, j'ai bien envie de le taper. Bah oui, avec Black Swan. Vas-y. Black Swan, elle va taper à 5D. Ah, il est tombé dans notre piège. En physique. Genre. Vas-y, non mais toi, tu comptes les blancs. Bon, 6 touches. Bon, je rigole. 6 touches. Bon, ouais, ça aurait été... Non, 3 touches, c'est déjà pas mal. 3 défenses. 3 défenses. Ah, mais en mode éléphant, on met des défenses de partout. Il y a le wild, quand même, qui m'intéresse. Je te push away. De S. Ouais, mais en fait, moi j'ai une règle qui dit que je push pas away si je fais une full défense. C'est une règle. Ah, c'est une règle. Il y a pas Iron Fist, il y a aussi des. Je sais quoi. La tête, c'était magnifique. Bon, couchez-le à côté de Blade. Donc, ouais, des bisous sur Blade. Ouais. Comme ça te va? Non, mais loin, loin. Bah, vas-y, on peut mettre en Zenital, hein, on les verra mieux. Bah, je les push. À côté. Bah, compact. À côté comme ça. Comme ça. Oui. Attends, il était comment? Un comme ça, tu veux? Non, mais il arrivait à peu près au niveau de. J'ai mis en contact avec voilà, lui. Voilà, c'est bien. Bon, voilà, maintenant j'ai tout bougé. On voilà. Va dire encore, je bouge. On va dire que tu ah t'es pas là précis. Là là. T'es pas précis, de toute façon. Pour un, je me téléporte. Ouais, tu te téléportes? Ouais, vas-y. Téléporte. Hop. Je me téléporte sur le Dark Portal. Ici. Oh la gruge. Pour un, je prends un shard. Parce que ces minions peuvent prendre des shards aussi. Oui. Et pour M, hop, je mets le petit shard sur le Nexus. Et voilà. Il faut qu'il y ait combien de shards en tout? Bah, dès qu'il en a deux, là, il va pouvoir up Dormammu. Ok, c'est à partir de. Ensuite, Dormammu, il va se téléporter. Donc il paye un. Un. Mmh. Il va aller sur le... Et nous, on peut le faire descendre, ses présences. Enfin, on peut les enlever, les shards, là-bas. Ouais, il suffit qu'on le bute. Non, il faut qu'on le bute. Ouais, ça va être chaud. Ah ouais, c'est chaud, mec. Tu veux où? Là. Comme ça? Ouais. Ok. Il arrive là. Il va faire un Shadow Bolt sur Iron Fist. C'est quoi? Okay. C'est du... C'est du énergétique. Bah, tu connais l'énergétique, mec. Cidé. On s'est vachement entraîné. Attention, les têtes de mort comptent pour tout, pour moi. Ouais, ouais. Les dés d'attaque, les dés de défense, toutes les têtes de mort comptent allez, pour Marco, moi. Allez, Marco, tu t'es entraîné sur l'énergétique. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, on compte les blancs. Bah ouais. Il n'y a pas de blanc.
Donc, moi, je fais 3. Je fais 1. Je fais surtout un wide, donc je te mets X et je te sap power. Ça veut dire quoi, X, déjà? X, bah, c'est une condition et qui... Et tu me sap power, pourquoi? Tes critiques n'exploseront plus, Marco. Ok, ça, c'est relou. En fait, c'est quoi, c'est le jugement? Non, c'est ensorcelé. Ensorcelé. Donc ça, c'était la première donc, attaque. Donc, je suis X... C'était porté combien ton truc ? Tu m'as mis 2 dégâts, c'est porté ça ? Porté 4. Donc okay, je veux bien 2 pouvoirs de dégâts. T'es sûr que tu veux les 2 dégâts, Marco ? En général, on les met pas, nous. Ouais, en général, on les met pas, ouais. Ok, donc là, on les met. Putain, elle va être chelou, cette partie. Elle va être dure, du coup. Elle va être docteur Mamou. Je vais retirer, je vais retirer sur Iron Fist. Mm-hmm. Vas-y, mais laisse-moi... La même. Donc par contre, il a le droit d'utiliser plusieurs fois les Dark Portal ou pas ? Non, mais c'est pas le même celui-là. C'est pas le même celui-là. Non, mais il a le droit de l'utiliser qu'une seule fois partout. Ouais. Non, attends, moi je me téléporte à partir des Nexus et des Rift. Vous allez voir. Allez, vas-y, fais-nous mal. Il va y avoir un fixe. Ok. Allez, oh là là, tête de mort, 5, il touche, hop, le petit critique. On va se faire déjà direct, tu vas te faire daze. Mais non. Allez, fais du blanc. Pas mes critiques. Tu comptes les blancs, tu comptes les blancs. Allez, 2. 2 défense. 2 moins 6, 4. Voilà, t'es daze. Et du coup, tu fais tomber le... Mais ça va être trop dur, en fait, de ouf, le game. Bah ouais, non, mais au départ, il est très fort. Et puis ensuite, il est toujours très fort. Donc ça tombe à 1 de toi, non ? Les spells, ils tombent par terre, non, dans ce cas-là ? Donc je le ramasse. Tu peux les ramasser, toi ? Oui, oui. T'es sûr ? Oui. Bon, bah, s'il le dit. Hein. Quand j'en ai 3, ça se transforme en shard. Tu payes pour ramasser, par contre. Oui, je l'ai payé. Putain. Oh là là, bah, c'est bon. Pour 3, ouais. Je me téléporte. Comment ? Non, je me place à 2. Ouais. Mais t'as le droit vers le rift. T'as le droit de te téléporter autant que soit que tu veux dans les rifts ? Non, et après, il repaye. Et là, il se là je repaye. À chaque fois, donc, il peut le faire plusieurs fois partout. Bah, pas avec le même rift. Pas avec le même rift. Ok. Ok, bon bah on est complètement... Ah oui, et je me téléporte donc via vers un Dark Portal. Donc je me déplace, je me place là. Donc là on est complètement dans la mouise, mon vieux. Ok, donc là en fait tu t'es TP, c'est cool. Et donc en plus tu m'as volé un truc quoi. À toi. Nous pour se téléporter, on peut se téléporter depuis les portails ? Non, depuis les Dimensional Rift. Uniquement ? Non, depuis les portails vers les Dimensional Rift. Moi, ce que je te propose, tu bumps avec lui ici, tu te téléportes sur le portail là-bas. Ah non, on peut se téléporter que vers les rifts. Bah, vers le Nexus là-bas, non ? Non, le Nexus, c'est pas... Ah, mais du coup, toi, le Nexus, t'as pu l'utiliser pour un téléport ? Ouais, parce que lui, il peut se téléporter avec le Nexus. Oh, putain. C'est ça, tu peux te téléporter depuis le Nexus, toi ? Ouais. Nous, non. Nous, non. Bah, c'est chaud, en fait. Bah ouais, c'est chaud, en gros, soit... Bah, c'est intéressant, c'est un challenge, hein. Ah ouais, c'est un challenge de ouf, hein. Bon, déjà, t'es c'est super intéressant, ça, c'est on n'avait jamais dit que t'allais gagner. Et quand nous, on crève, on crève. Ouais, nous, donc, ouais, exactement. Ouais. Après, on s'en fout. Injure, machin, ça compte pas trop. Donc, on est, donc là, c'est notre tour de jouer. Moi, je serais assez pour garder Hulk pour la fin, de toute façon. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Vas-y, fais tes persos. Je vais faire mes persos. Donc, moi, je vais commencer, je pense, par jouer Wong. Wong, il va méditer, il va méditer pour gagner un pouvoir. Et du coup, donc ça me coûte une action et je vais dépenser. Et je vais payer ces 2 points de pouvoir pour donner 1 point de pouvoir au Docteur Strange qui est à côté de lui. Donc là, du coup, ça ne fait qu'une action. Et j'ai une deuxième action avec Wong. Avec Wong, bon, je vais bouger pour me mettre ici. C'est joué pour Wong. Ok. Voilà. C'est joué pour Wong. Après, du coup... Le problème, c'est que moi, mes mecs, c'est des chips, quoi. J'ai pas du tout envie de m'avancer vers Black Dwarf. Il est gentil, Black Dwarf. Hein. Et des bisous. Hein. Je vais jouer Doctor Strange. Je vais faire un premier mouvement. Je vais faire
un deuxième mouvement pour me mettre à portée 1. Je suis à 1 là, Yori, parce que moi je suis loin, je peux pas trop voir. Ouais, du coup, t'as un peu bougé derrière le portail. Ouais, bah vas-y, tu vois. Oh, c'est bon. Ça, tu peux redécaler un petit peu le. Ça le... Ouais, il a un peu bougé vers, le... vers là-bas. Ouais. Comme ça? Ouais, voilà. Voilà, je vais payer 4 pour scalpel notre cher Black Dwarf. Et tu l'amènerais même pas vers tes copains? Non, ça m'intéresse. Pour faire une piñata? Non, ok. Je suis pas sûr que je gagne beaucoup à te pignater la tronche. Ouais. Je vais choper au hasard un spell avec notre cher Docteur Strange. Il faut vraiment jouer le scénario à partir du moment où vous fermez bah oui, deux portails. Franchement, ça, ah, là, là tu vois ici là. Je moins en puissance, en power à chaque tour et tout. Même si mon mec il est plus fort. Ouais, mais là tu peux. Je pourrais faire. Déplace, tu m'as éclaté un gars, t'as récupéré le truc. Bah ouais, tu savais là, pas que ça allait être bon. Là, à ce tour-là, tu vas direct mettre un deuxième, donc tu vas passer niveau au-dessus. Ouais, et non, puis là, ça se trouve, tu vois, il va venir, il va tuer mon Docteur Strange aussi. De toute façon, on savait bien que ça allait être difficile, mais bon, on est venu là pour ça. Et je vais. Dit-il avec une voix blasée. Un premier mouvement. Tiens, je te laisse faire mon deuxième mouvement si tu veux, Yuri, parce que toi, t'es du bon côté, pour m'amener à portée 1. Le but, c'est que je puisse revenir à portée 1 en un mouvement de M. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vaut mieux que tu mettes du coup en tête mon but. Attends, arrête de bouger. C'est de pouvoir revenir en un mouvement de M à portée 1 avec le grand socle. Ouais, voilà, donc mets-le là, ici, c'est bien. Voilà, et je vais piocher. C'est marrant, il a juste la main pile poil sur la boule. Ouais, c'est rigolo. Putain, tu vois, quand j'ai pas de bol, j'ai pris double violet. Bah ouais, bah c'est pas... Putain, mais non, c'est pas grave, c'est pourri. Chaque fois, putain, ça, mais c'est exactement la même... C'est tout le temps la même chose. Bon. On fait des parties d'essai, c'est vrai que ça, c'est... Dans la partie d'essai, j'ai pris, mais genre, trois fois la même couleur avec trois persos différents. Non, mais c'est pas grave, c'est la vie. T'avais gagné ou t'avais perdu? On n'avait pas été jusqu'au bout, c'était vraiment pour tester les règles. Parce que t'étais pas... Non, ça s'était mal placé pour Yuri, parce que Yuri, il jouait pas comme ça. Ouais. Ah, il avait... Il là, Yuri, je veux dire. Ouais, bah, il laissait Dormammu à côté des mecs. Alors que là, maintenant, il laisse plus Dormammu à côté des mecs. Ouais, je laisse plus. En fait, Dormammu, il est très fort, mais... quelques bons jets de dés suffit et hop. Exactement. C'est donc, faut faire attention. Et ben, du coup, là, j'en ai joué 3, hein, donc c'est ton tour de t'activer. Et ben, en avant. Donc, je gagne... 5 pouvoirs. 5 pouvoirs. Mais que vais-je faire? C'est fabuleux. Et ah, mais du coup, là, c'est plus difficile pour lui. Voilà, j'ai une action pour aller stepper. Non, là, tu peux piocher un charme dans le truc, non? Tu peux pas? T'as pas un truc pour piocher un charme dans les portails, toi? Je suis pas sûr que je puisse le faire. Je vais regarder. Non, c'est A Minion May Use. Ok, donc, c'est que les minions. Okay, tant mieux, que ça aurait été abusé. Ouais, ouais. Non, il faut que j'aille à la dure. Donc, c'est à moi d'être dur. C'est de la balle. La balle à dur. Oui. On n'a rien entendu. En avant, je me déplace. Donc je mesure rien parce que bon, hop. C'est pas ton genre de mesurer. Ouais. Ah, il allez. A tapé un peu. Bah oui. Il aurait tort de se priver, le jeune. Donc là, il a fait une action. Du coup, tu ne mettras qu'une attaque. Non, il a fait un mouvement. Donc là, je vais prendre qu'une attaque, absolument. Et là, il stat, il se dit, ouais, qu'est-ce que je fais et tout. Il sait qu'il est en train de prendre la mauvaise décision. Il l'a déjà senti. En plus, c'est vrai. Hein. La pression pour rien. Non, j'ai très, très envie de taper sur Wong, quoi. Ah bah, vas-y. Un perso qui a déjà joué, bah super, vas-y. Hein. Vas-y. Et toi, t'as de la chance avec mes dés, je le sens. J'ai 9 dés. Non, mais voilà. C'est si je joue mal, c'est à cause de la pression des futurs viewers sur cette vidéo. Donc, quelle excuse bidon. Je vais jouer la Spectral Claw. Non, la Spectral Claw, mec. Oui. Putain, bah, tiens, on en parle depuis des décennies. Bon, hein. Ça fait quoi, ce truc? Alors, la Spectral Claw, c'est la deuxième attaque en physique, 6D. Ouais. 6D rouge. J'ai le droit de full relancer. Sur qui, du coup? Sur Wong. Ok. Si des rouges full relance sur Wong. Ça va faire mal. Ouais. Faites le one shot. Non, mais il a le stilt. Avec un pierce. J'avais oublié. Vas-y, c'est pas grave. Moi, je suis en mode Britney. Ah. Britney Spears. Ah, bah voilà, 3 touches. Voilà. 4 touches, en fait. Non. Si, 4 touches. 4 touches. Et c'est 2 défenses. Bah, putain. Je prends 2 dégâts.
Dis-toi, c'est la défense de Hazer. Gap 3D dépense si ça passe. Non mais, hey mec, ça fait combien de dés que tu lances et que tu fais rien, donc il fallait bien que je me défende. Il faut bien que je compense. Donc moi, pour moi, c'est catastrophique. Parce que du coup, t'as pas de pouvoir. Non, en fait, parce que si je le tuais, j'avais un sharp token et je faisais tout de suite ma draw. Donc, ouais, en fait, je récupérais bien, tout de suite les puissances. J'avais dit de pas taper sur lui en plus. Hein. Ouais, je crois que tu l'as dit. Il fait du ninjako, là. Il a... Donc... Attends, est-ce que je ferais pas un petit fallback pour me barrer? Parce qu'au tour suivant, il va pouvoir rejouer. Moi, je vais pas le tuer en un tour, là, je pense. Quoique, si, on peut le tuer en un tour, peut-être. Ouais, faut pas exagérer, hein. Ouais, si je pense on verra. Tu me fais un peu peur. Tu me fais un peu peur. Donc tu. Et t'as vu un peu comment il fonctionne avec Black Dwarf. Ouais, je vais revenir. Et elle est où ma ta réglette de S? Je sais pas, mec, j'y ai pas touché. Parce qu'il joue avec des réglettes grises. J'avais pas remarqué ça. Mais non, mais laissez-moi avec mes réglettes grises. Il joue avec des réglettes grises. J'aime mes réglettes. C'est pas possible ça. Je vais faire une move action avec un Unforced Oblivion. C'est quoi? C'est pour une charge. Ça me permet d'avoir 2 dés supplémentaires, mais je ne suis pas sûr d'être à portée. Si, peut-être. Tiens, alors tu joueras avec des réglettes de couleur. Tu as le droit de poser ta réglette de 2. Hein. Tu peux jouer avec 2 réglettes, Yuri. Donc tu peux poser ta réglette de 2 en contact avec le docteur étrange, si tu as envie. Ouais. Mais si tu attaques à 2, c'est mort. Hein. Le docteur étrange. Ouais, c'est vrai. C'est pas terrible. J'étais envoyé un petit peu loin, ça, je ne sais pas pourquoi. Que tu l'as éloigné, parce que c'est chaud. En fait, Black Dwarf, si on l'éloigne à chaque fois, ça va être bon. Exactement, c'est ça, c'est ma tech. C'est ça. Mais le problème, ça ne va pas durer longtemps, parce que le Wong, il ne va pas durer longtemps. Donc, pour 1, je vais... Attends. Monsieur, il réfléchit trop. Non, je réfléchis trop. pas du tout. Pour 1. Ouais. Je TP. Putain, j'aurais dû fallback, je le savais. Mais après, il aurait pu se mettre ici aussi. Hop. Bah oui, non, mais ça change rien. Là. Même si tu fallback, il aurait pu. Je te pète la tronche. Ok, moi je paye. Ah merde, non. Eh ben oui, quoi? Non. J'ai pas sacrifié, j'ai trop l'habitude d'avoir mes cartes d'habitude, je paye rien du tout, Yuri. Je croise, je serre les fesses tout en croisant les doigts. Il va faire un mauvais jet de dés. Allez. C'est Yuri, mec, ça arrive jamais des mauvais jets de dés. Une défense, je suis bien. 4 touches. 3 dégâts. Ouais, je prends donc, 3 dégâts. Donc, le shard, pouvoir de plus. Il arrive sur le Nexus. Direct? Ouais. C'est même pas, il vient sur lui? Non. Mais je comprends pas. Comment ça se fait que tu gagnes des shards quand dire. Tu fais ça? C'est mieux. Moi, j'ai besoin que tu le lises. C'est mieux du coup pour toi par rapport à Dormammu qui fasse. Ah non, parce que là, il peut pas prendre les shards dans le truc. Et si on bute Dormammu, il perd tous ses shards, non? Non. Ok. Donc moi, j'espérais. Et là, regarde. Ah putain, j'aurais pu bum de 1. Je dépense 1 pour récupérer un shard du Dark Portail. Voilà. Mais là, par contre, le shard, il va direct dans le Nexus, t'es sûr? Oui, c'est marqué. Vas-y, okay. On va afficher. Add one sharp token to the Nexus. Okay, à la fin. Dave, regarde. Si vous voyez le regard perso de Marco. Non, mais tu peux afficher la carte. C'est le fond de mon âme. Non, la carte, c'est la carte de des servantes. Ok. Moi, je te dis, là, on a un coup à jouer, Marco, de ouf. Dosmic Deck, et après, c'est servant, tu sais, la carte. Donc, lui, en fait, il a quoi? Il a bodyguard ou il a présence Black Dwarf, tu me l'as blessé? Non, je crois pas. Il a quoi? Il a présence. C'est... Comment ça marche, le bodyguard de Black Dwarf? C'est à 2 de lui, tu es obligé de taper Black Dwarf, c'est ça? Voilà. Donc, c'est cette carte. Le bodyguard, oui, mais il faut que je le dépense. Et donc, c'est 2, c'est ça? Hein, c'est 2. Donc okay. Là, voilà, on le voit sur la carte, le dernier paragraphe. Il fait mignon. Vous êtes remis les machins là, Days, et ben voilà. Donc là, t'en as gagné 2, donc tu passes niveau 2, c'est ça? Non. Il faut que je fasse un draw power. Un draw power, c'est à la fin. Putain, c'est chaud. Hein. Ça veut dire quoi à la fin? À la fin, à la fin du round, tu sais, le. À la clean-up phase. À la clean-up phase? Voilà. T'es mieux obligé ou pas deux à la clean-up phase, c'est ça? Voilà. Enfin, il faut que j'en ai autant plus un
que le niveau que je veux atteindre. Ok. Donc là, il faudrait que j'en ai 3. Et nous, on peut l'enlever ? On peut en enlever ? Non. Dormammu, il peut bleed ? Non. Il est immune au bleed ? C'est oui. écrit sur son truc, quoi. Immunity, bleed, incinérate, stagger, stun. Le mec, il a tout. Le mec, il nous a niqué 2 persos déjà. T'es votre hein. Ouais, mais là, c'est le moment où il est le plus fort. Hein. Là, le problème, c'est qu'il a ramené Black Dwarf et Black Dwarf, il a 2 pouvoirs. Mais Black Dwarf, c'est comme Luke Cage, hein, en fait. Hein. C'est, il faut que Black Dwarf soit à 2 de l'attaquant. C'est ce que je te demandais. Ok, c'est ça. Oui. Ok, donc pour moi, il en a un coup à jouer, tu vois. Tu peux bump avec Immortal Hulk ici. Ensuite, tu dépenses 1, c'est ça, je crois, pour pouvoir te... C'est, nous, c'est, on se téléporte de ça. Hein. Ouais, mais voilà. C'est gratuit, nous. Hop, et tu te mets là. Ouais, du coup, tu te mets là-bas. C'est pas gratuit, ça va lui prendre une blessure, ça va me faire gagner un pouvoir. Ouais. Ouais, voilà, ça va bien, mais je paye pas de pouvoir. Non. Tu vois, du coup, tu te retrouves là-bas à porter 1, du coup, là, t'as Dormammu, et puis tu as Smat Dormammu avec tout ce que t'as. Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, j'en pense que c'est une bonne idée, j'aime bien l'idée de taper, moi. Hop. Voilà, bon, allez, c'est, on c'est ma T3. Ouais. Maintenant, j'assume. Voilà. Tu dépenses, on interagit du coup. Ça te fait, on prend une blessure avec Immortal Hulk et toi, tu gagnes un pouvoir avec Dormammu. Mmh. Dormammu. Hop. Déjà, là, au passage, je peux récupérer un truc dans le sac. Exactement, c'est gratis. Donc, du coup, moi, j'ai pioché quelle couleur ? Violet, c'est... Attends. Vert. Parce que. Attends, je sais pas si je me mets comme ça, je peux pas me mettre comme ça et apporter 2. Non, putain, on a vert. Pas fait quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Mais oui, mais c'est parce que c'est Hulk, tu vois. Hulk, il a pris les trucs. Allez, verts. Et là, faut faire mal. Là, faut faire très mal. T'as pris vert. Vert pour Hulk, c'est trop bien. Mais je peux pas le smash, par contre. Bah non, là, t'as. Attends, pourquoi t'as plus de pouvoir ? Bah, j'ai utilisé mes 3 pouvoirs pour bump. Non, c'est 1 le bump du Midnight Sun. Pour un pouvoir, ah tu... oui, ok, c'est avec le bump. Un, après, il y a l'interaction. Non, ça, je paye pas. Ça, c'est gratis, non ? Pour se téléporter ou pas ? Bah, faut regarder. Pour se téléporter, c'est. Alors, attends, on vérifie. Interact. Non, là, c'est Linkun, c'est lui, ça. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Non. Interact Dimensional Portal, c'est ça. Place, nanana. Voilà, Dormammu gagne un pouvoir. Ouais, non, il n'y a pas écrit do not have to pay. Donc, okay. Donc, il te reste un pouvoir. Ouais, mais sauf qu'il a pris l'élément. Ah oui, c'est l'élément, c'est gratuit. Oui, ok, il reste un pouvoir. Ah, il n'y a pas écrit do not have to pay. Ouais, okay. Bon, c'est pas grave, il fait une première attaque, et puis après, deuxième. Allez, 7 dés, mon vieux. Là, non, c'est pas moi qui ai pris une blessure. Mais si. Ah, sinon. Tu prends une blessure en téléportant et tu lui files un truc. Allez, 7 dés, là. 2, 3, 4, 5. Je veux bien 2 dés, des beaux. Ouais, ouais. Des beaux, tu vois. Ceux-là, on sait jamais. Tu fais mal, là, Marco, tu fais mal. Là, je chauffe les dés, et là, ploum. Allez, la douleur. Tu as quand même 3 défenses, ce bâtard. Allez, Necrit explose. C'est bien, 2 dés stoppés. Tu en veux 2 beaux, c'est ça ? Ouais. Allez, là. Et ben, oh, crotteux. Ça fait... Bon, attends, il fait quand même un beau jet de défense, hein. Ouais. Donc, tu prends 2 dégâts. Et toi, tu gagnes 2 pouvoirs. Moi, je gagne 2 pouvoirs. Et j'ai un wild, mais je peux pas le fro, on est d'accord ? Non, il est trop gros. Je vais il est taille combien sur ta carte, juste pour info ? 5. Je vais te faire un free power. Taille. Il y a écrit une taille sur lui ou pas ? Il y a écrit taille combien, là ? Sa taille, en bas, en droite. En bas. Excusez-moi, oui, taille 5. Ok, dommage. Il y a feel the power of the darkness. Vas-y, file-nous. Quand je t'attaque, je te push... Enfin, quand tu m'attaques... Ouais. Moi, après, je te push away de S. Quelle que soit la taille ? Ouais. Ok. T'es sûr ? Ouais. C'est un truc de bâtard, ça. Vas-y, affiche sa carte, là. Tout de suite. Et je te mets X. Oh, putain. Il n'a pas envie de darkness. Laisse tomber, mon vieux. Trop puissant. Non, je suis immunisé au X. Il est immunisé au X. Putain, c'est vrai ? Ah ouais. Bah ouais, il y a écrit immunity X. Ouais. Oh, nom de Dieu. Ça c'est pas grave. Compliqué. On a récupéré 3 points. Tu peux gamma leap. Ouais. Vas-y, on va se remettre à côté de toi et je vais trop taper. Ah, j'avoue, putain. Hop, on va se remettre là. L'idée, c'est d'être potentiellement... Ce serait bien d'être à 2 ici aussi. Non, hop, on va se mettre un peu plus loin. Je suis à 1 là, Yori, parce que je vois pas du tout. À 1 de quoi ? À 1 du truc pour pouvoir repick up au tour suivant, non ? Non. Hop. Ok. Voilà, on se remet là comme ça. 2... 4, 6, 7 dés. Et c'est pareil, mais là, il faut lui faire vraiment mal. Là. Il faut qu'il la sente. Moi, là, il faut que je mette l'attaque en face. Il faut dans sa tête. Il reste combien de pep sur cette phase, là ? 6. Allez, les 6, il faut qu'on te les mette. Bon,
Ouais. Avec les dés de merde. 3 quand même. Hein. Oh, putain, 3 sur 7, 3 qui sur se passe si mal. Et pas 3 défenses. Putain, mais oh. Bah voilà, tu sais ce que c'est quand moi je joue à Curis. Ok, bon bah c'était Immortal Hulk, un perso à 7 points. Ouais, mais du coup, c'est vrai c'était, que c'est chiant. C'était comme... Marco et ses jets de dés. Comme et il est... Pour info, j'aime bien jouer à Christian. Non, mais la difficulté, c'est comme il est taille 5. Ouais, bah là, j'aurais pu le froid une fois, mais bon. Bah pas ouais, possible. Mais t'aurais pu le jeter sur Black Dwarf, tu vois, par exemple. Ah oui, ça change mal. Tout. Ouais, bah ouais, ça va changer tout, mais... Mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Allez, Docteur Vaudou. Donc, Docteur Vaudou. Docteur Vaudou, lui, il peut faire une attaque à 5D, mais du coup, après, je vais me faire push et ex. J'imagine, t'as de quoi payer ça de nouveau ou pas? Oui. Ça coûte 2 pouvoirs, c'est ça? Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est trop... Parce que moi, je vais lui faire une attaque, après, je vais me faire push et je ne sers plus à rien ensuite. C'est la lose. C'est la lose totale. Black Dwarf, il est full life, non? Oui. Ouais, en plus, il est du dent, donc il a pris des serpents qui sont... Il est bien tranquille. Après, tout le monde va se faire ex, du coup, là. Ah non, je suis immunisé au ex. Ah, bah vas-y, je te défonce la tronche, mec. 5D en mental sur Dortumou. Docteur Mamour. Ah bah vas-y, je fais 2. Heureusement, j'ai un crit. Tu fais autant que moi avec 5D, c'est cool, hein. Oui. Une défense. Une défense. Ouais. Attends, quand je fais un crâne, il se passe un truc, je gagne un pouvoir, je crois. Ouais. Donc je gagne un pouvoir et je te fais des dégâts. Ah oui. Donc tu gagnes un pouvoir. Je gagne un deuxième pouvoir. Et t'as pas de condition. Donc je suis à 3. C'est quand t'as une double touche que ça fait un truc. C'est... Là, c'était pas le cas. Est-ce qu'il est à portée 2 de moi? Mais oui, mais il a fait l'erreur. Attends. Ah, ok. Oui, je te fais le. Tu sais que je suis mise au ex, hein? Oui, mais je te repousse quand même. Je te push away. Bah vas-y, fais-le. Je vais juste envoyer dans la pampa. Balia, lia, la pampa. Vas-y, par là. Par là, tu vas rentrer en contact avec elle, hein, si tu D'ailleurs, veux. D'ailleurs, toi, t'as pris la carte. Si vas-y, tu veux. C'est quoi ton pouvoir d'affi et c'est qui ton leader pour le moment? Moi, pas dit. Ouais. C'est Doctor Strange. Et ton pouvoir d'affi, du coup? Mon pouvoir d'affi, c'est quand je prends des dégâts, je peux bump. Ok. Ah ouais, j'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté où je peux faire plus de dégâts, mais... Enfin, je fais une reroll, mais... Ouais, bah là, du coup, tu vois, c'est ça, hein, c'est la loose pour moi, je peux plus rien faire, là, du coup. Pas à 3, je peux rien faire. Bah ouais, il fallait tenter un truc, bah ouais, écoute. Après, quand tu changes de stade de power, tu soignes pas? Non. Tu gardes quand même tes blessures? Oui. Ouais, donc on va l'avoir quand même petit à petit à l'usure, éventuellement. Ouais, bah, il y a que ça à faire. Ouais, mais là, sur sa prochaine phase, il gagne des points de vie. Ouais, mais il en gagne que 4. C'est énorme. Et je vais me mettre là. Et Cléa. Ouais, bah, Cléa, elle est pourrave en plus. Tu sais, le problème, c'est que ça, on joue des teams fluff avec toi. Et les teams fluff, bah, elles sont toutes pourraves, quoi. Bah oui, mais c'est ça qui est marrant. Après, on fait un encounter. Hein. Moi, je pense qu'il va peut-être gagner, c'est pas grave. C'est la vie. Alors. Et après, à la fin, on pourra dire, ouais, mais tu t'es pété. Je pense que tu fais. Non, mais. Ouais, t'as gagné parce que c'était pété. Ce type de partie, faut pas que ça soit trop facile. Bah oui. Faut que ça soit exceptionnel pour que ton Dormammu, là, tu repenses à cette partie, ouais, qui te fasse peur. Bah oui. C'est vachement rigolo. Bah et puis après, tu le vois en team normal et tu le démontes la gueule en tournoi. Donc voilà, quoi. Bon. Non, mais après, c'est marrant. Sinon, c'est comme tu le dis, c'est trop facile, c'est relou. Mais ouais, c'est vrai que là, quand il y a les dignes dedans, quand où tu la, dis, la figurine, elle est chiffre. Quand même 3 jets de dés en tout, ça commence à faire beaucoup, même 4, parce qu'il était 4. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il est hyper puissant, tu vois, il te repousse, il te machin, il te truc. Vas-y, je vais tenter Cléa, du coup, c'est du... Remarque, j'aurais pu jouer Poldak, ah non, j'avais pas assez de pouvoir pour jouer, donc bah non, j'ai fait ce que je pouvais. Allez, Cléa, je lui balance ça sur la tronche, 4D. 4D en magie? En mental, ouais. T'as 5 dés, toi, de défense. Oh, putain. Oh, attends. T'as un beau jet de dés, quand même. Ouais. J'ai fait 4. 4 défenses, ok. 4 défense. C'est attends, pas grave, pas c'est l'intention qui compte. 5 de défense, voilà. Et je refais la même chose. Ok. Et une touche pour le moment. Une touche. Et là, ça va passer. Ouais, ça passe pas. Non, de défense. Ok, bah écoute, c'est joué. Hein. C'est ce que je te dise. Bon, c'est peut-être de la merde, mais... C'est pas grave.
On a tout tenté sur le. C'est le tour de Dormammu. Ouais, allez, vas-y, qui est-ce que tu vas tuer? Et après, ça finit le tour. Ouais, ça finit le tour, là. Bah ouais, donc du coup, après, on va pouvoir rejouer. D'ailleurs, on a mis. Au tour suivant, on va pouvoir faire des combos de ouf, tu vois. Tu peux rajouter un sur le round. Attaque énergétique, Cléa. Cléa, 3D de défense, vas-y, go. Oh là, t'es trop puissant. Ouais. 2 pour l'instant. Oh, je fais une belle défense. 3. Allez là, boum, heureusement que tu l'as. Les têtes de mort comptent. Hein. Aussi sur cette attaque-là? Bah ouais, l'énergétique, c'est la première. C'est celle où les têtes de mort comptent. Donc il y a 3 qui passent. Il y a 3 qui passent. 3 qui passent. Et je te fais un sap power. Eh ben, le sap power, tiens. Plus 3 pouvoirs, plus 3 dégâts. Allez, bim. Tu me passes le sap power? Ah, tu le veux? Bah mets-le toi. Ah oui, ok. Ok, donc là j'ai pris 3 dégâts. Moi, ce que je te propose, c'est de jouer Fall. T'as un autre truc à faire après ou pas? Vas-y. Attends, avant, c'est toujours ton attaque ou ton attaque est finie? Ah ouais, non, je peux. C'est Fallback, c'est maintenant, c'est avant de mettre les dégâts. Vas-y, je joue Fallback ou pas? Ça power. Moi, je pense que c'est bien comme ça, elle est encore en vie. Ah non, mais attends, je peux pas en fait. Parce que j'ai pas les pouvoirs au moment où je joue Fallback. Et Fallback, c'est 2 pour jouer cette carte avant d'infliger. Donc je peux pas. Par contre, tu gagnes pas de pouvoir hein, quand tu tapes avec tes attaques. Hein. Ben non. Tu les rajoutes pas depuis tout à l'heure. Ben non. Ok, nickel. Ben non. Non, mais il gagne 5 pouvoirs à chaque activation. Ouais, j'ai compris, mais je voulais vérifier ça. Sap Power, t'es ex. Ouais. Ah bon, je suis ex aussi, putain. Mais à partir du moment où j'ai fait le wide, c'est ça. Ok. Ensuite, pour 3. Ouais. Je vais bouger de 2. Oh putain, tu vas me faire ton attaque à 2 là. Voilà. Oh, c'est mort. Il va prendre une charme de plus du coup. Mais après, c'est pas grave, il peut monter que de 1 par truc. Ah, mais du coup, là, il va le monter tout de suite, il va mettre 2 points de victoire au premier tour. Exactement. Si tout se passe bien. En avant, Spectral Claw. T'as coup de 3, je viens de le payer. Je relance tous mes dés. Oh, bah heureusement, putain. Ouais. Vas-y, moi j'ai que 2 dés. Bah, je fais 0. Allez, salut. Bon, voilà. Vas-y, donc je gagne. C'est quoi cette arnaque de jouer convocation contre ça, quoi? Je gagne un shard tout de suite à cette attaque. Vas-y, prends ton shard. Ensuite, j'ai le droit à la power phase, à la draw power from the Nexus. Ah, mais si, c'est là où j'aurais pu bum de 1, j'ai mal joué. Bon. On va aller en présence. Quand j'ai pris des dégâts là, j'ai 3 shards. J'aurais pu bum de 1 en arrière, j'ai mal joué. Bon, enfin, après. Hop, je passe en présence 2. C'est mon attaque. Oh non, il m'aurait eu quand même. La régie, présence 2. Présence 2, bien sûr. Donc là, tu regagnes des pouvoirs. Tu regagnes des points de vie. Voilà, je gagne. Ah, du coup, il s'éloignait de Hulk en plus. Pff, oh là là. Ça se passe mal pour nous. Mais par rapport à ça, là. Fin du tour. Pourquoi t'as pu le faire évoluer tout de suite? Parce que l'attaque, elle permet ça. Je gagne une shard et après, je fais un draw power. Si je peux le faire. Et là, je pouvais faire. Parce que là, les shards que tu gagnes, tu la gagnes sur le Nexus direct ou sur ta. Non, sur le Nexus direct. Ça, c'est précisé aussi. Ouais, ouais. Okay. Non mais t'inquiète, c'est super fort le truc. Bon voilà, donc moi je résume, je me suis fait dice 2 persos à ce tour, toi un perso, donc ça fait 3 dice doté 1 quoi. Mmh. Après on a pris des persos en carton quoi, je veux dire c'est... Bah c'est pas grave, on va continuer. Hein. Fin du tour, Dormammu marque sa présence. Donc 2 points de victoire pour Dormammu. 2 points de victoire pour Dormammu. Bon là on va, je sais ce qu'on va faire là. Donc là c'est à nous hein. Attends, c'est à nous. Non mais je regarde, je mesure. Donc du coup, là, on est la power phase. Ouais, power phase. Ok, vas-y. Je veux bien des pouvoirs. Attends, derrière toi, Marco. Nickel. Ils sont où, les... Donc moi, je vais passer sur la phase blessée. Donc je suis plus ex. Donc là, je gagne 3. Mes minions gagnent 1. 3 et 3. 1. Donc là, il n'y a pas le choix, faut tuer Dormammu. Non, moi, j'ai compris. J'ai trouvé ce qu'on va faire. Ah ouais, là, on va pouvoir, si on a un peu de moule, clôturer un portail. Non, mais il faut tuer Dormammu, là. Attends, bah oui, mais je peux faire les deux en même temps. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, déjà de base... Réfléchis comment tu fais les deux. Moi, je vais commencer par jouer Hulk. C'est ce que je pensais. Alors, je vais prendre un truc aléatoire dans le sac. Non, mais d'abord, on fait la phase de pouvoir. Ça y est, moi, je viens de me mettre mes pouvoirs. Eh ben, moi, j'ai pas fait ma phase de pouvoir. Ah, bah, voilà, ok, ça marche. Bah ouais. Donc, mais non, mais regarde, t'as même pas retourné Iron Fist. Mais effectivement. Fallait pas le dire. Ah ouais. Fallait pas le dire. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. C'est comme ça qu'on joue à ce scénario. Donc, je propose qu'on réfléchisse. Tu vois, la réflexion est tournée. Là, je peux piocher un truc avec Mortal Hulk. D'accord? Ouais. Donc, le fait de le faire,
Ouais. J'en ai deux. Ouais. Après, je peux bump avec mon pouvoir de faction. Bump, ça va pas suffire. Si. Non, si tu veux être à 2 de lui, bump de 1 te suffira pas. Là, il faut que tu gamalip. C'est possible. Hein. Mais non, bump de 1. Bump de 1, t'arrives ici, tu seras jamais à 2 de lui, je pense. Oui, mais bump de 1, déjà, pour... Ah, tu veux dire que je gamalip direct? Ouais. Parce que du coup... Pour moi, tu ramasses éventuellement, ensuite tu gamalip et tu lui fais 2 attaques de ouf. Voilà, et après, je rebump pour mettre 2 trucs de... Tu peux pas rebump. Tu pourras... One... Avec ma faction. Avec One Below All. Ah oui, avec, oui, avec, ou avec, faction, avec la faction de 1. Ouais, je pense que ça peut être ça. Et ça permettra après de remettre deux mecs, deux trucs dans le truc. Ouais, et du coup, on après, verra. Après, t'actives les deux os. Après, moi, j'ai Cléa là. Elle est pleine de pouvoir. Bon, elle fait pas grand chose. Non, mais après Cléa, elle a pas de trucs. Donc là, après. Si, Cléa, elle peut quand même faire des trucs. Je veux dire, elle a pas de trucs. Moi, je peux jeter la voiture sur Dormammu. Là, je pense que je suis à 2 de la voiture. Ouais, je suis à 2 de la voiture. Je peux jeter la bagnole sur Dormammu. Déjà, ça va se faire. Après, regarde, moi, ce que j'ai pensé avec Doctor Strange, tu peux mettre ton pion. Et tu peux en piocher un et en espérant piocher avec un Dr. différent Strange, que les miens. Et puis en plus, je peux lui faire assez mal, là. Et un différent que les miens. Tu vois, comme ça, on peut boucher un portail. Bon, donc du coup, on fait ça. On joue Hulk en premier. Il gagnera un pouvoir de moins. Il reste combien de points de vie à Dormammu, là? Il lui en reste 9. 7. 7. 7. Attends, on lui a fait 3 dégâts avec tout ce qu'on lui a mis. Il y a moyen. Je suis désolé. Bon, du coup, je commence avec Hulk, comme si je t'avoinais le maximum. Donc du coup, allez, je prends pas un vert. Donc un rouge. Ah, ok, donc là, de ce côté-là, on a vert, rouge et moi, j'ai violet. Il nous manquera plus qu'un bleu. On est pas mal. Ok. Donc, du coup, après, je vais bump. J'utilise mes 3 pouvoirs pour bump de 2. Donc, gamalip. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir faire mon attaque de base en espérant récupérer des pouvoirs. Ce serait bien. Ouais, c'est bon, t'es à 2. Et en espérant lui casser la gueule. Allez, 7 dés, là. Il faut que tu fasses mal. C'est en physique, c'est ça, ou en mental? Je sais plus avec... Du coup, ça fait... Oh putain, mais des jets de merde comme ça. Oh là là. De... Putain, c'est notre gros joueur, hein. Il faut qu'il fasse mal. 3. Putain, 3. Et t'as fait combien? Moi, j'ai fait qu'un pour le coup. Bah, ça fait 2 dégâts. Super, 2 dégâts, 2 pouvoirs. Donc, je gagne 2 pouvoirs. Hop. Ouais. Bon, déjà, je pourrais au moins remettre mes trucs dedans. Et bah, fais ta deuxième attaque. Je vais faire... Attends, je vais te faire Feel the Power, Feel the Darkness. Hein. De quoi, Feel the Darkness? Ah oui, il a de poche de S. Ah, je vais essayer de le... Ah, t'es quel complet, là, du coup. Donc, du coup, je vais faire mon truc où je peux bump de 1 pour un pouvoir. Ouais, ça peut être pas mal. Et du coup, tu vas pouvoir... Attends, mais essaye de voir si je peux me remettre à distance de lui, non? Mais non, regarde. Ouais, je suis beaucoup trop loin. T'es beaucoup trop loin. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu sois à 2 de lui. Ça, c'est possible. Donc, je crois qu'on peut pas, nous, monter sur les... Non. Vous avez pas le droit d'interagir avec les décors spéciaux du scénario. Par contre, là, je suis à 2. Ouais, t'es à 2, c'est bon, ça passe. Moi, au moins, l'autre, il se prend une attaque. Donc avant de le faire, je vais payer mes 1, comme ça c'est fait. Et je mets les deux trucs dans le portail. Tu vides tes trucs, ok. Mmh. Tu vides tes 2 boules dans le portail. Ouais. Allez, okay. C'est fait. Ça, c'est cool. 3, 7. Ouais. Bon, donc les 4 dés, j'ai 2 blagues. Ça reste. Putain, mais c'est quoi ces dés là? Mais regarde! Mec, de touche encore! Putain, c'est toi qui joues gardien au WTC, mon vieux. Donne pas cher de notre équipe! Donne pas cher de notre équipe! Par contre, lui, je peux le push. Non, là, tu vas le lancer. Ouais, je peux le lancer, quoi. Ouais. Donc, déjà, t'as fait combien de défense? 2. Bon, il prend rien, mais il va se faire lancer. Alors, attends, comment tu le lances? Non, sur la poubelle, tu le lances de quoi? De combien, déjà? De S seulement. Attends, c'est un throw. De S? Ouais, c'est pas un throw, ouais. Donc, tu pourrais le lancer, tu vois, par là, par exemple. Pour l'éloigner de Wong, ça pourrait être pas mal, je pense. Par là? Non, trop, non plutôt là. Plutôt okay. Contre la poubelle, non, pour lui faire mal. Ah oui, non, et toi, il faut que tu sois éloigné du portail. Tu peux choper des trucs dans le portail avec lui, non? Quand t'es près d'un portail. Oui. Ouais, donc vas-y, ouais, t'as raison, plutôt par là, quoi. Ah non, il faut pas qu'il touche la poubelle. Ouais. Bon, bah voilà. Et t'as pas gagné de pouvoir, là, en faisant ça. Non, parce que j'ai mes 0. Tellement chum, ce tour. Non, mais il est de toutes mes attaques, pour le moment, ça fait entre 1 et 3. Ouais, c'est pour ça que là, je me réjouis, mais en fait, au niveau stats, je vais quand même me calmer. Ouais, mais parce qu'à un moment, quand tu vas éclater, tu vas faire des trucs. Je vais jouer Docteur Strange. C'est mon quotidien, vous connaissez. Mais je vais jouer Docteur Strange, je vais très grand sorcier. Oui. Bon, je vais piocher le super truc secret. Oh, le vert, putain. Putain, mais je te dis, je chope toujours les mauvaises couleurs. Ok, donc c'est de la merde. Alors...
C'est pas grave. C'est énorme. Non, non, on reste confiant. On reste confiant. C'est pas grave, il gagne. Hein. On reste confiant. Moi, je pense que sincèrement, c'est, bah, c'est quelque part une bonne publicité pour ce jeu. Non, mais c'est, franchement, c'est bien. Allez, ok, est-ce que tu as une attaque qui est plus faible avec Dormammu que les autres? Est-ce qu'on peut renommer la chaîne Les Guerriers de la Louise? Est-ce que tu as une attaque qui est plus faible avec Dormammu que les autres, s'il te plaît? Une défense. Non, je suis à 5-5-5 là maintenant. Parce que j'ai un truc où je peux choisir ma défense et tout. Vas-y, fuck. Je m'en bats. Je paye 1, je te fais une attaque à 6D où j'ai potentiellement des full relances sur Dormammu. Ouais, je fais ça. Attends, qui avec sortie? Ouais. Ouh là là. Ouh là, c'était pas mal. Ouh là, j'ai rien. Ouh là. Et attends, prends 5, mon vieux. Ah ben, je suis dans 4, non? Ah, là, j'en ai fait 5 hein, pour moi. Ouais, mais lui, il en a fait une. Ah ouais, donc t'en prends 4, pardon. Ah ouais, ben... Bah... T'es vivant? Ouais, ouais, je suis vivant d'un point. Ah, ben voilà. Great. Et le petit bébé de la honte avec par contre, je vais t'envoyer dans la pampa. Hein. Bah non, tu peux pas. Bah si. Il n'y a pas de notion de distance? Bah non. Il y a écrit quoi? Non, il n'y a pas de notion de distance. Tu peux afficher sa carte. Moi aussi, je veux vérifier, là, ça me saoule. Ex. Ça dit quoi? Ex. Attends, je vérifie le truc. Push away. Et voir, c'est où ton truc? Push away. Feel the power of the fire. Non, il a raison. The attacking character. Push away. Ok, tu peux enlever la carte et mettre chat initial pour qu'on voit le push. Attention, attention, la façon dont tu me pousses, là, normalement, j'entre en contact avec le bord de mon socle sur, contre le... Ah oui, c'est bon. Wow. Ok. Push away. Push away. Toujours à 5, hein. C'est vrai? Mmh. Ouais, je pense que oui. Ouais, ouais. Sur la cam... Attends, pose la règle. Pose la réglette, comme ça, on est sûr. Je vous avais dit qu'il y aurait de la triche, il y aurait de la... C'est pas grave. Ok, je viens de pousser Mordo. Avec ma réglette. Elle ressemble pas à la skill. On va le sceller et on lui fait mal, mon dieu. Attends, j'ai un crit et j'ai full relance. Il a full relance. Ouais, ah bah attends, non, normalement, mes relances, c'est après que t'aies fait tes jets, je crois. Putain, 2. Pour l'instant, c'est bon. 3. Là, tu comptes pas les crânes en défense. Hein. Non, non. Donc là, tu fais 3. 3. Moi, je fais 3, donc je fais full relance. Hein, pour l'instant, je fais 0. Bah, c'est soit, tu peux pas choisir. Non. C'est tout ou rien. Eh ben, ce sera tout, mon vieux. 1, 2, 3, 4, 5. Le gars, il a fait 3. Ouais, mais je suis ex. Tu comptes les crânes? Non, c'était un... Ouais, je l'ai rappelé. Eh, dis donc, t'étais ex? Ouais. Ah merde, j'ai fait exploser mes trucs? Ouais. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas... Ouais. Ah, bah, si, il y avait un dé en trop. Bon. Bah vas-y, du coup, il y a un dé en trop. Donc je relance que 6. Ça te va? Comme ça, il n'y a pas... Ouais, mais... Putain, faire un jet de bâtard. Bah ouais, mais j'en sais, je me suis trompé, ce que je te dise. Yeah. Allez, là. Non, mais c'est pas... Oh là là, je me sens tellement comme Yuri d'habitude. Alors, attends, je laisse tomber cet élément-là. Oh, ouais. Le bleu, c'est celui qu'il nous faut. Ah ouais? Bah oui. Okay, ensuite, je suis une piñata, donc vous piochez. Ah, tous ceux à portée 1, ils en piochent 1, donc voilà. Cléa. Oh, ah, Cléa, bah, tu vas servir à quelque chose. Oui, le bleu. Le bleu, bien. Oh, tout le monde a le bleu, tout le monde a le bleu. Et, oui, mais... et Vaudou, le rouge, on est pas mal, hein. Donc là, bleu, violet, Mordo, il l'a. Donc là, on peut clôturer ce portail à ce tour. Donc là, du coup, il te reste des actions avec Dr. Strange ou pas? Attends, là, j'ai fait 2 attaques déjà, c'est pas mal. Non, c'est des trucs qui me font là, pas gagner. T'as, hein. T'as pas gagné de pouvoir en plus? Non, j'en avais 3 des pouvoirs. J'ai fait 2 attaques à 1, donc il me reste 1 pouvoir. Et c'est déjà pas mal, hein, franchement. Il a fait le job. Il peut pas se déplacer avec ta faction, je sais pas quoi. Pour... Non, il faut qu'on fasse des dégâts. Ok. Et nous, on ne peut pas se TP là. Non, dommage. Parce qu'en fait, il avait... Alors, la question, c'est est-ce que j'ai pas envie de sauver le Wong? Bah, Wong, il a un joyau, non? Il a rien. Non, il a rien. Du coup, avec Wong, je pourrais double move là-bas pour aller choper un truc. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que j'aurais bien aimé qu'on lui ferme un portail là tout de suite. On peut pas? Bah, si. Si, ouais, avec. Sinon, je joue Vaudou, c'est ça? Ouais, je joue Vaudou. Vaudou, il a quoi comme couleur? Bah, il a le rouge. Donc là, il ramasse le rouge, bleu. Il peut pas le faire. Non, il peut ramasser le bleu gratis. Ouais, mais on ah merde! C'est pas le bon. Donc c'est Cléa. Ah non, c'est Mordo. Oh putain, pourquoi c'est Mordo? Mordo? Pourquoi c'est Mordo? Pourquoi lui? Mais Mordo, il peut en piocher avec un peu de chat. Il peut piocher. Ah, mais ouais, mais si on joue Mordo, c'est tellement dommage.
Attends, un peu de chat, j'ai une chance sur 4, quoi. Sachant qu'on a déjà 2 bleus. Ouais, il y a aussi 2 violets, 2 trucs. J'ai plus de chances de choper du vert qu'autre chose. T'as envie que je fasse ça ? Je sais pas, fais ce que tu veux. Je te laisse faire. Putain, fais chier d'avoir... Et moi, par contre, moi, je peux jouer un de mes persos MTP là-bas, en fait. Est-ce que t'as du bleu ? Non, j'ai pas de bleu. Ok. Moi, non, j'ai du que du pour rouge. Pour moi, ici, c'est pas prioritaire. Pour moi, en fait, le risque qu'on a, là, c'est qu'ils viennent et qu'ils tuent Wong. Et s'ils tuent Wong, ils pourraient choper une nouvelle charde, là, machin. Par contre, moi, ce que je peux faire, peut-être selon le GD de Moon Knight, c'est MTP... proche de là-bas, récupérer le bleu et peut-être en récupérer un... Ouais, je peux en récupérer 2, quoi. Je peux en mettre 2, non ? Et Baron Mordo, là. Mordo, si... Tiens, passe-moi la règle de M, pardon. Mmh. Oh, il est loin, hein. Il est loin. Et là, on était obligé de le placer à 1, on pouvait pas le placer plus près. Je sais pas, il n'y a pas de truc. Si, j'aurais pu placer à 1, après Dormammu, il était là. Mais normalement, là... l'objectif, ça se place à 2, non ? Ouais, mais bon, c'est pas grave, on l'a fait, okay. On l'a fait dans le speed. C'est de ma faute, j'aurais dû réfléchir. Du coup, moi, je sais pas, mais Wong, là... En fait, le problème, c'est que s'il me bute Wong... Bon, après, là, c'était bien qu'on en ferme 1. Mmh. Mais si on le ferme pas, ça lui donne un pouvoir de plus. Bon, il est déjà blindé en pouvoir. De toute façon, il est blindé en pouvoir. Il peut être limité à être. Non, mais là, il est en présence 0, là, maintenant, non ? Non, ah, non, il était 1. En 1, putain, mais... Et j'étais en 2, donc je passe en présence 1. Je suis en présence 1. Ouais, je comprends. Bon, tu veux pas qu'on écarte Wong ? Parce que là, du coup, il va s'approcher, il va kill Wong. Bah, vas-y, écarte Wong. Hein. Je pense que ça peut être un truc. Écarte Wong et Wong, après, il pourra se TP vers un autre portal. Là, il peut en ramasser. Après, il peut aller le buter, Wong, en fait. Ouais. Et surtout, s'il a 3 trucs, il va pouvoir le buter, quoi, tu vois. Avec qui ? Bah là, il peut après TP ses petits mecs. Putain, c'est pourri d'avoir Wong encore dans cette équipe. Et du coup, il est trop fragile, il peut faire... En ou fait, alors, là, en fait, quand il joue dans le compteur, moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer que des gros. Il en a 0, Wong. Ouais, des mecs... Que des mecs solides, en fait. Un peu solides. Ouais. Il en a que 0, il en a 0. Qui a 0 ? Wong, il a rien, il porte rien, ouais. Bah donc il viendra pas le cibler s'il porte un. Bah si, il pourra peut-être le cibler quand même. Bon écoute, un fuck off. Il faut bien faire quelque chose. Hop, on va faire un premier mouvement, venir ici. Deuxième mouvement, je vais venir apporter un là-bas. Mmh. Hop, du coup, tu récupères, je vais me couper là-bas. Ouais, je vais essayer d'en choper un. Pour te TP et en mettre un sur un truc. Un vert. C'est un vert. Bah tu peux te TP dans un des portails. Non, je me TP avec les portails, pas avec les Dimensional Rift, moi. Par contre, je peux payer 2 pour filer un pouvoir. Et à qui je vais filer ce pouvoir du coup ? Mordo, apporter 3. Non, je vais filer à Strange pour le futur. C'est mieux, je pense. C'est mieux pour le prochain tour. Parce que Mordo, est-ce que je fais des trucs avec 3 ? Il me faut 4, 2, férocité, les boots. Non, bon. Enfin, ok, à moi ? Oui, okay. C'est à toi, mon cher. Bien. T'as rien fait avec Hulk, hein, franchement. Bah, c'est terrible. Ouais. Pour c'est un... Si, j'ai mis 2 trucs dans le... Alors, déjà, activation... Ouais, enfin, pour encore... N'importe qui aurait pu le faire. Dormammu se prend 5, donc il est à 10 points de pouvoir, c'est parfait. Ensuite, Black Swan, pour 1, elle se téléporte à 1. Les minions, ils peuvent se téléporter à partir du Nexus, t'es sûr ? Oui. Les minions. Oui, oui. Interact, The Nexus, ou dimensionnel, place 10 caractères. Tout. Ok. Voilà, de toute façon, on va mourir. Vas-y, file-moi du pouvoir à Hulk. Black Swan, elle va tirer sur Mordo. Mordo ? Un A-beam. Vas-y. C'est de l'énergétique en plus. C'est de l'énergétique. Oh, j'ai 4D, je suis tellement puissant, mon vieux. 2 touches. Eh ben, 0 défense. 2 pouvoirs, 2 dégâts. 2 pouvoirs... Il a incinérette. 2 dégâts. Ouais, je suis incinéré. Ça sent le feu. Je suis incinéré. Est-ce que j'ai envie T'as de... T'as pas d'immunité incinérée. Non, j'ai pas d'immunité incinérée. Je crois qu'il dit ça à produire l'ennemi. Non. Est-ce que j'ai envie de bump de 1 ? Est-ce que j'ai envie de bump ? Pour me rapprocher, pas trop, quoi. Si, je vais bump, mais pas trop, juste pour rester à portée 1. Ici. Voilà. Ensuite,
elle va taper sur Strange. C'est étrange. Oui, c'est, là, c'est juste pour charger en... Mais quel comique en pouvoir. Vas-y, en jaune ou en rouge? C'est pareil, hein, c'est, j'ai 3D. Non, en jaune, chez Reverse Pierce, c'est mieux en rouge. Mais bon. Tu tires en quoi? En rouge. En rouge. Rouge, ok. 3D. Joli. Full reroll. Bah, ah, ça c'est bon. Bah, zéro. Zéro. 3. 0, full reroll, 0. Allez, 3 dégâts. 3 pouvoirs. Et je te push. Vas-y, push me. Punch me. And you're gonna punch me. You can get my satisfaction. Hop. Je vais bump. Ici. Bon, ça, c'est pas mal, par contre. Là, au moins, il nous éloigne pas trop des Nexus, quoi. Dormammu. Dormammu ou Docteur Mamour? Non, Dormammu. Dormammu. Il va aller... À 1. Je t'ai mis des réglettes peintes. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, ça te coûte un pouvoir, non? Oui. Et lui, par contre, quand il prend les portails, ça ne nous fait pas de bonus? Non, non. Enfin, parce que lui, on lui donne du pouvoir et des dégâts, mais lui, que dalle, quoi. Ensuite, pour 3. Pourquoi t'as enlevé l'activé de... Non, j'ai mis le X. Là, en fait, c'est Wong qui active, hein, c'est pas Mordo. Hein. Ouais, attends, mais les trucs d'activation, ils sont pas au bon endroit. Il y a Wong et il y a Strange, ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Là, il se téléporte à deux, il paye pour pouvoir bouger à deux de lui-même. Ok. Et puis là, il nous avoine. Voilà. Là, il va tuer Wong, je pense. Une connerie. Je vais faire. J'aurais dû juste reculer Wong, mais c'est tellement dommage. Je vais faire. Ouais, t'as raison, fais-le plusieurs fois. Hello! What's up? Ah oui, c'est comme ça, ok. Alors, pour 3, je vais faire une attaque physique sur Mordo. Vas-y, Mordo. Bah, j'ai plus qu'un dé, du coup. Voilà. Hein? Les mecs de convocation, si t'as pas les bonnes cartes et tout. Je vais relancer les dés qui me plaisent pas. Vas-y, relance-les. Voilà, donc, 2 touches. Tu fais 2. Et j'ai un pierce dedans. Bim. Bah, on s'en fout de ton pierce. j'ai tout pas fait dedans. Ok, j'ai pris les 2 dégâts. Du coup, est-ce que je fall back? Est-ce que je recule? Est-ce que je fais des trucs comme ça? Non, mais je peux bump au moins, parce que là, c'est pas le même tour. Donc, l'idée, c'est si je pourrais d'abord bump et ensuite éventuellement fall back. Parce que c'est à 2 hein, que tu fais le truc qui tue ensuite. Donc, je bump ici. Ensuite, je paye 2. Je vais fall back. Hop. Je paye 2. Tac, tac. Ne faites pas ça chez vous. Normalement, c'est avant les dégâts qu'on fall back. Ah bah du coup, ouais. Ah du coup, c'est avant les dégâts. Donc, c'est, je peux pas bump et fall back derrière. Donc là, ce que je fais, c'est pas bon. Non, mais tu... et le bump, c'est après les dégâts. Ouais, c'est après les dégâts. Tu peux fall back et bump derrière. Ouais, mais du coup, je peux pas le faire parce que le fallback, c'est away du truc. Donc, du coup... Ok. Donc, normalement, je suis comme ça. Là, tu vois, je fallback. Est-ce que je fais ça? Ouais, mais après, tu te mets à la pompe, quoi. Ouais, mais après, le problème, c'est que là, sinon, il va me tuer et ramasser les composantes de sort que je porte. T'as combien de composantes de sort sur toi? 0. Il te reste de quoi faire l'attaque rouge qui me tue, c'est ça? Oui, je pourrais en refaire une seconde, mais elle est à portée 2, donc c'est non. Ouais, elle est à portée 2, mais là, si je bump par là, tu vois, je reste à portée 2 de toi. Oui. Et donc après, il faudrait qu'il arrive à buter Wong, sinon. Ouais. Il a moins de chances de tuer Wong que Mordo. Je vais faire ça. Là, je suis toujours à 2 si je fais ça. Ouais. Vas-y, du coup, je vais fall back. Comme ça? Ouais, c'est peut-être pas terrible, mais je sais pas ce que t'en penses. Mais bah, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'après, tu vas devoir faire un double move, quoi.
Ouais, je sais bien, mais j'ai pas d'autres solutions. Bon, là, en fait, sinon, j'ai un dé et un point de vie. J'ai un dé et un point de vie, donc... Et hop, est-ce que je peux te toucher? Ouais, je peux l'avoir à 4. Eh ben écoute, je te tire à 4, mais pas comme je voulais. Donc, et c'est quoi, du coup? C'est d'énergétique. J'ai 3 dés au moins de défense. De toute façon, il me reste qu'un point de vie. Il a 3 touches. 3 touches, ouais. Ex-sap power. Le sap power, je le retire du coup, tac. Ah, j'ai pas payé pour le fallback. Si, j'ai payé pour le fallback. Je fais 3 défenses. Eh ben écoute. J'étais ex après, hein. Oui. Ouais, donc 3 défenses. Donc ex, ouais, et j'ai lancé que, ouais, j'ai lancé que 3 dégâts. Ouais, mais j'étais déjà ainsi. T'as ex. On l'a utilisé. Non, mais il y a tout le monde ex, donc c'est un peu rude. Bah tu vois, regarde, moi aussi je peux faire un tour de merde. Ouais, non, ah, non, non, t'es pas un tour de merde, quand même. C'est bon pour toi? Ouais, oui, c'est bon pour moi. Donc du coup, c'est à nous? Ouais, c'est à nous. Donc j'active Hulk? Mais non, il est déjà activé. Tais-toi. Bien sûr qu'il est déjà activé. Non, mais par contre, moi je propose que j'amène Iron Fist et que tu pètes sa gueule. Parce qu'Iron Fist, maintenant qu'il me l'a mis avec plein de pouvoirs, il peut faire son truc à 9D, là, dans la gueule. Ah ouais? Bah ouais, il y a écrit The Iron Fist. Avant que les dégâts soient infligés, tous les ennemis qui sont à 3 de la truc souffrent de 1. Bon, là, il n'y en a pas d'ennemis, je pense. Est-ce qu'on n'essaierait pas de buter le Dormammu qui est là pour réduire sa présence à 0? Justement, je peux y arriver là-bas en faisant le TP dans le portail. Bah, il faut que tu fasses. Ah ouais, tu dépenses 1 pour bump. Il te reste combien de pouvoirs si tu bump? Il m'en reste. Ah, ça coûte 8. Ouais. Ah bah, de toute façon, j'ai pas assez. Je pensais que ça coûtait moins cher que ça. Non, attends, regarde. J'en ai que 7. Là, si il arrive, je peux pas le faire. Si tu bump, tu peux pas essayer de. Non, mais c'est pas grave. Non, mais si tu bump, pour la suite. Tu téléportes, tu fais peut-être une attaque. Si tu bump, tu téléportes, ensuite tu fais le play. Mais là, même si je bump, je suis pas un du portail, je pense pas. Tu penses? Bien sûr que si. Mais non. Non. Ah ouais? Si, avec le sort, peut-être. Si, pour moitié. Hein. Ok, mais du coup, je prends pas de ça. Bah non. T'as des trucs avec lui ou pas? Non. T'as rien? Est-ce qu'il faudrait fermer les portails? En fait, est-ce qu'il faudrait mieux pas ici essayer de commencer par jouer Moon Knight, piocher quelque chose et puis voir là-bas ce que ça donne? Là-bas, Dormammu, de toute façon, il va nous tuer et tout. Il faut que je fasse quoi comme j'ai Dormammu, il reste combien de pouvoirs, combien de points de vie là? Bah 8. Est-ce que tu vois par exemple ici, je jouerais pas. Donc Voodoo, il faudrait que je fasse un critique pour avoir un déplacement supplémentaire et ça, ce serait vraiment le feu. Et bah, c'est une touche. Avec une touche. Ajouter 2 dés au lancer d'attaque de la prochaine attaque effectuée. Bon, c'est cool quand même. Ouais, non, c'est de la merde. Bah, on c'est ce tour ou c'est pas ce tour? C'est ce tour. De la prochaine effectuée à cette activation. À cette activation, ok, c'est précis. Un vert. Un vert, bon, bah. Moi, j'aime bien les rouges et les verts. Bah, vas-y, là. Par contre, tu peux les foutre sur. Bah, sur ouais, moi, je pense que c'est pas mal, hein. Vas-y, tu peux me déplacer de M. Ok, hop, je te mets comme ça, là, ça te va. Comme ça, on en aura 2, puis on aura 2, donc c'est bien. Vas-y, je dépose mes 2. Ouais. Après, du coup, j'ai emprunté. Attends, déposer. Tu peux revenir. Hein. Tu peux revenir ici, du coup, pour pouvoir rechercher au tour suivant, si tu veux. Ouais, mais en fait, ce que je veux faire, c'est le taper. Comme j'ai décidé, il y a moyen que je puisse lui faire un peu mal. Donc, tu veux te téléporter? Ouais. Donc là, je me téléporte. Donc, tu prends un point de dégâts, tu donnes un pouvoir à Dormammu. Et quand je prends un point de dégâts, je gagne un pouvoir ou pas? Et on se téléporte sur un rift, nous, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que ici ça te va ou tu Est-ce que c'est le droit d'en piocher un autre dans un différent ou pas? Bah oui. Bien sûr. Bah du coup j'en pioche un. Putain, c'est ça qui est trop bien, ouais, t'as raison, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Allez là, sors-nous un. Un bleu. Oh merde, putain, c'est un violet qui te fallait. Du coup, après que. Donc ça, c'est que je peux pas le faire, mais du coup, je peux faire ça. Et déstabiliser, t'es immune ou pas? Oui, stagger, oui. Ok. Mais je peux relancer n'importe quel nombre de dés d'attaque, donc une attaque à 6 dés relançable, c'est plutôt pas mal. Bah ouais. Il a combien de points de vie là dans sa gueule? Ah là, il est full life. Oui. Mais il a que 8. Oui. Bah après, avec les deux autres activations, c'est nickel. Est-ce que tu peux push ou pas des trucs avec lui? Push des trucs. Est-ce que tu peux push? T'as des trucs qui push ou pas avec lui? Parce que je me dis, tu vois, avec Mordo là, si je reviens, j'arrive à peu près ici et ici, je pourrais me mettre à portée 1 s'il n'y avait pas Black Swan. Black Swan, elle me gêne. Je peux pas push. Okay. C'est avec une attaque à 4 pouvoirs, mais je les ai pas.
Ok. Et par contre, j'ai une attaque à 6 dés avec des relances. Vas-y, vas-y, hein, vas-y, hein, cartonne le Dormammu. Après, il va te push, te hex et tout ça, mais bon, c'est la vie. Bah, attention, si on le fait pas. Ouais, ouais, il faut le défoncer. Je crois qu'il faut y aller avec Dormammu. C'est déjà un peu mieux. Donc là, j'en ai 4. J'ai full relance et j'ai un critique. Donc, d'abord, fait le critique. Ouais. Et là, donc, le voilà, relance. Et là, mes 3 de relance. Et j'en ai une de plus. Ça fait 5. Il en a deux défenses. Il prend 3 dégâts. Et moi, je gagne 3 pouvoirs. Oh, cool. Et t'as pas d'autres petits pouvoirs avec lui, très bien passé. Après, j'ai. Quand c'est le personnage est ciblé par une attaque, machin, mais c'est tout. Ok, bon, écoute, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà là. Ok, donc là, du coup, c'est. Du coup, tu ne pêches pas ? Si. Ah, si. J'aurais pas dû lui dire. Bah ouais. T'es dans quelle équipe, mec ? Mets-toi ex dessus. Je suis immune. C'est pas vrai. Arrêtez. Non, je suis pas immune. Dommage, ouais. Moi je me réjouissais. Eh, j'ai plus de hex les gars. Ah si, il m'en reste un. Bah après on les met plus. Du coup, c'est... Eh, on a plus les pions, mec. Ok. Et donc du coup là, il lui reste combien de vie à Dormammu ? 5, c'est ça ? J'ai mis 3, il lui reste 5. Il y a moyen qu'en deux attaques, on lui mette 5. Hein. Tu crois ? Bah là je peux ramener je peux ramener d'autres gars, moi. Ouais, mais à chaque fois il te repousse, il te hex et bah, tout ça. Mais bon, en même temps ça me permet de prendre du Nexus deux fois, ça peut être cool. Moi je pense, ah, moi, bon, je pense tu peux faire. Moi je pense tu déjà, peux là, ramener... je vais faire mon bump de 1 avec Iron Fist. Blade. Non, moi je pense qu'il faut que tu joues Iron Fist parce que moi là-bas j'ai encore Vaudou. Vaudou, je pourrais lui faire mal. Pour moi, faut tester Iron Fist. Mais Iron Fist, tu veux que je mette deux attaques, c'est ça ? Ouais, Iron Fist, tu lui mets deux attaques, mais je sais pas si tu vas être à 1 ou rien. Ça paraît courant, ouais, c'est possible. Bah, faut tester. Bah, si, peut-être. Attends. C'est chaud parce que après, sinon, ça me nique le déplacement. Mmh. Ouais, pour moi, t'y es large, ouais. Mmh. Bon, bah, vas-y, alors, si j'y suis. Tu dépenses un pouvoir ? Bah, oui, pour me faire mon bump de faction. Hop, ouais, t'es largement à 1. Donc, je suis à 1. Mmh. Donc, là, du coup, je prends le portail. Ça me coûte. Un dégât. Et un pouvoir, c'est ça ? Et non, juste un dégât et tu donnes un et c'est. Non, ah. Si, c'est ça. Ça coûte un pouvoir aussi d'interagir. Non, ça m'a coûté un pouvoir tout à l'heure parce que j'ai déposé les trucs, en fait. C'est ça ? Pas pour prendre le portail. Ouais, non, prendre le portail, ça change dans le même moment. Ici, ça te va ? Bah, ouais. Attends, parce qu'après, il va y avoir le push, donc il vaut mieux te mettre comme ça. Ok. Du coup, derrière, je vais piocher d'abord dans le sac. Ouais. Ah, mais par contre, je gagne un point de plus de pouvoir avec lui, je savais pas. Bah, tu gagnes deux à chaque. Bah, je savais pas en fait. Donc, okay. Du coup, premier tour, je l'ai pas pris, deuxième tour, je l'ai pas pris. Ok. Donc, tu l'as vrai, mais là, tu peux te la prendre, la grosse attaque. Non, t'as que. Un bleu. C'est 8 ou c'est 9 la grosse attaque là, en fait, c'est simple. Je commençais à. Non, mais tu peux pas lui mettre de pion d'activation, hein, Dormammu. Hein. Non, mais c'est pas grave. Par contre, tu peux cartonner Black Swan. Non, mais je peux lui mettre 9 dés dans la gueule. Et au moins, je le tue, on le fait repasser niveau 0. C'est vrai. Et en plus, quand je te tue, ça me perd des composantes. Il lui reste combien de points de vie, là ? Il lui reste 5. 5 avec 9 dés, il y a moyen. Il n'y a pas de monde où ça passe, hein, je pense, normalement. Parce qu'il a quand même combien de défense ? En rouge ? Ou en jaune ? C'est en jaune ? Non, c'est 5. En jaune. Et pourquoi je peux pas 5. Lui mettre un jeton activation ? Parce que c'est dans les règles du... Ah, c'est écrit. C'est vraiment écrit. Oui, ouais. Ok. Est-ce que tu serais pas mieux de tuer Black Swan ? Moi, je pense que c'est. Bah après, elle fait gicler des composants pareil. Hein. Ouais, mais moins. Là, toi. Non, mais toi, tu dors Mammu comme ça, il descend à 0. À 0, ouais. Il se fait 0 points de plus. Ouais, bah, ouais, 0 points de plus. Comme ça, si tu fais 60 crânes, bah écoute. Ouais, allez, 2, 9 dés. 4, 6, 8, 9. Et là, il va se prendre ce qui ne s'est pas pris depuis. Attends, juste bouge pas. Est-ce que tu n'aurais pas meilleur temps à payer ta carte Siege of Darkness ? Pour que tout le monde fasse une attaque gratuite à 0 autour de lui. Donc garder... Ah ouais, si. Parce que là, tu vois, du coup, il y a Hulk qui refait une attaque pour 3. Et c'est tout. Toi qui fais une attaque gratuite. C'est overkill, ça. Donc ça en fait 2. Moi, je pense que c'est trop. Non, mais c'est any number of allied. Je peux dépenser 2. Mais en fait, je ne les ai pas, les 2 avec Hulk. Donc, ah, c'est tous ceux qui ils doivent c'est, tous dépenser 2. Ils doivent tous dépenser 2. Ok, donc, bah vas-y. L'attaque à 9D. Allez, une attaque à 9D. Iron Fist, mon premier ce que c'est. Voilà, tu vas voir. Allez. Et des de merde. Non. Ça va. Non, ça va. Là.
Allez, il a un crit. Allez, un petit crit encore. Il est pas ex, là ? Non, il vient il de faire. Il était à l'autre bout de la pampa, tu l'avais niqué. Ah yes. Et voilà. Et là, il est avec tous les wilds et tout, ça fait pas des trucs, ça, en plus ? Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mon vieux. Donc, il fait quoi, 2 ? Il en prend 5, là ! Bien joué ! Attends. Parce qu'il y a écrit « Before Degas is dead, tous les caractères à 3 souffrent de 1. » Donc, tu prends 1 dans ta gueule. Ah putain, mais moi aussi. Non, tous les ennemis caractères. Ah ouais, ennemis ? Mmh. Oh bah c'est cool. Over, ennemi caractère. Donc c'est un aussi pour Black Swan. Voilà, donc elle prend un Black Swan. Et avant que les dégâts soient faits, si la target has an activated token... Non, ça c'est bon. Il gagne machin, condition, and throw S away from his car. Et s'il n'a pas la... Truc, alors attends, avant de le retirer, il y a Hulk, il y a Wong, et il y a... machin qui prennent un élément. Ouais. Hulk. Donc, Wong. Attends, Iron Fist, il prend un élément. Ouais. Du coup, là, si je prends le violet, c'est ça ? Il va avoir un violet. Allez, un violet. Parce qu'il a encore une action. Ouais. Non, et puis surtout, ouais, l'action, tu flying kick, et du coup, tu... Bah, c'est un rouge. Putain, fuck. C'est un Iron rouge. Fist. Après, j'ai... Hulk, et il prend un violet. Putain, comme par hasard. Hop, c'est bon, c'est moi. Et c'est toi, Wong. Un violet pour Wong aussi. Putain de merde, on a pas de bol. Du coup, là, moi, je peux aller mettre mon bleu dedans. Hein. Bah, tu pourrais faire un flying kick, éventuellement, si t'as envie, pour, du coup, te mettre à un de Black Swan. Ouais, Black Swan, elle a des contre-attaques, des trucs comme ça, ou pas ? Non. Vas-y, hein, on va faire ça. Hein. Vas-y. Au moins, on lui met une petite patate en même temps, au passage. Hein ? De pourquoi ? Bah, je peux te faire une patate, et après, derrière, je me mets un pote. Et c'est un gainer, du coup, tu gagneras un pouvoir. Et du coup, je pourrais peser mon truc dans le Tu fais ça, flying kick ? Bah oui. Vas-y. Mais attends, ça fait trois attaques, non ? Il n'a pas pris un gainer ? Il s'est déplacé, il a fait la super attaque. En fait, j'avais oublié qu'il gagnait un pouvoir en plus, donc j'avais de quoi faire super attaque. Donc hop, du coup, je lui mets une C'est touche. Pas 3. C'est 4. Bah ouais. Et 4 dés ? Non, mais c'est trop fort. Donc c'est bon ? Rien. Ouais, j'ai vu ça. Place à 1 de L. Voilà. Peut-être ici, non ? Du coup, ça me fait gagner un pouvoir. Et je l'utilise pour mettre mon bleu dedans. Vas-y. Ah non, mais ça ne me convient pas du tout, ça. Ok. Et là, il reste une activation encore. Ouais, une activation. Et qu'est-ce toi, qu'on a envie d'activer ? Il y a Wong. En fait, il n'y a que Baron Mordo. Ouais, Baron Mordo, il y a Bubble Wed. Et il est vraiment loin, Baron Mordo. Ouais, mais avec un double move, tu peux le mettre, le violet. Non, je peux pas, je pense. J'ai fallback un petit peu loin. Ouais, parce que là, j'arrive ici et Black Swan... En fait, tu peux pas te placer, quoi. Ouais, je peux pas me placer, malheureusement. Ok. Mais bon, on n'est pas pressé, hein. Tu peux jouer toi là-bas, là, avec... T'as quoi avec lui comme couleur ? Avec Blade, j'ai rien encore. T'as rien ? Ouais, tu peux aller essayer d'aller choper un composante avec Blade. Bah, après, ou alors, je joue, j'essaye de tuer Black Swan avec... Parce que là, les violets, ils y sont tous. On les a tous en main. Avec Cléa ? On les a tous en main, les violets ? Il y en a 5 ou il y en a 4 ? Il y en a 5. Ah, il y en a encore un dans le sac. Ok, parce que sinon, moi, je joue Vaudou, je ramasse le bleu. Et je ramasse le bleu, et à la limite, je peux attaquer Black Swan, sachant que... Ou alors, que tu peux en mettre 2 ici. Black Swan, je pourrais la jeter de S. Je suis à 3 de Black Swan, je crois pas, là. Regarde, je n'y suis pas à 3, là. Non. Tu as la caméra, on dirait qu'il y est quand même. Ah ouais, non, ouais. Si, c'est bon. Ok, bah sinon je fais ça, comme ça je peux jeter Black Swan de S. Mais Black Swan, elle a été activée déjà. Non, si, je crois si. Pas. Elle bah, est si, active. Sinon si, elle serait si. Pas là. Ah, elle a été activée, ouais, ouais. Mais tu mets pas de jeton d'activation, Yuri, c'est dur à suivre pour nous. Okay. Ah, du coup. La voix, la petite flaque. Non, mais du coup, c'est. Ok, bon. Je vais changer mes dés, comme j'avais pris des dés un peu moins forts. Je non, reprends mais du mes, coup, mes dés. Non, mais du coup, ça si, Black 4, si Black Swan ne joue pas. Avec les doubles touches et les doubles critiques. À cheval de quoi ? Sur le terrain ? Tu parles de qui ? De Blade. Tu parles de Docteur Vaudou ? Ouais, parce qu'on l'ignore, ça compte pas comme un terrain, okay, c'est le truc, le terrain. On l'a pas précisé avant. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'avec Vaudou, je ramasse celui-là, je vais ici et je mets les deux composants Moi, je pense que c'est bien. Comme ça, tu vois, on commence à en avoir plein de partout et après, on va pas savoir où aller. Ou alors, je fais ça, je fais un mouvement, un deuxième mouvement et je ferme ce portail-là.
Parce que c'est si les deux bonnes couleurs. Ah non, il me manque... Non, c'est le rouge, là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de les mettre, là. Au moins, on commence à en remplir plein, et après, il va plus savoir où donner de la tête. J'ai ouais, plus qu'un bain. Ce serait mieux d'en clôturer un. Regarde comme il est placé. Je suis plégé. De toute façon, là, même si on le perd, ça ne change rien, il aura assez du pouvoir. Donc on s'en fout. Ouais. Donc tu vois, on remonte la donne. Après, je suis loin du coup. Ah, mais je pourrais me téléporter. Ah, mais tu peux te téléporter pour refaire un truc. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ok, bon. Donc et après, aller chercher là-bas, parce que gratuitement, là-bas, en fait, il ne vient pas là-bas. Donc là, sinon, on va l'obliger à bouger là-bas. Gratuitement, cool. Je le reprends. Ensuite, je bouge de 1. Voilà, tu dépenses un là. Pouvoir, t'en mets 2. Dépense un pouvoir. On commence du coup à bouquer les portails. Bam! Qu'est-ce qu'il y a? Après, je pourrais payer. Et après, tu te TP dans un autre truc. T'as combien de pouvoirs là avec Dormammu? T'es full pouvoir? Oui, je suis full. Attends, donc, il te reste un déplacement. Tu te TP. Mais oui, c'est ce que je réfléchis. Tu vas chercher un truc là et tu te redéplaces. Est-ce que je vais là-bas ou est-ce que je vais là-haut là? Bah, attends, si tu pioches un bon, tu pourras aller fermer là-bas. En fait, tu peux te TP. Donc c'est et bon. Voilà, mais si je me TP là-bas et que je chope le violet, là je peux. De là-bas. Ouais, là je peux fermer ce portail si jamais je chope un violet. Ça vaut le coup, non, de tester? Ouais. Mais du coup, si tu te chopes pas un violet, t'es loin des portails. Il reste quoi là? Il reste... C'est un peu dommage. Putain, j'ai une chance sur 4, hein, 25%. C'est un peu dommage. Moi, j'irais plutôt là. Mais toi, t'as rien avec Blade là ici en plus. Non, mais justement, après, je peux le jouer. Donc, je préfère t'en mettre un troisième ici en fait. Ouais, parce qu'en vrai, en plus, derrière, on est pas mal pour fermer celui-là. Allez, ok. Je paye. Non, là, pour se téléporter, on paye pas. Mais toi, par contre, tu gagnes un pouvoir non, et moi, je prends une blessure. Tu seras full, quoi qu'il arrive, et tu prends un dégât. Par moi, je prends un dégât. Ça me fait chier, ça. Hop, tac. Donc là, je pioche. Putain, tu vas voir que je vais choper le violet. Hein. Tu sais que c'est bah, mon c'est genre. De toute façon, il le manque aussi. Il a eu le violet, les gars. Mais bon. Et du coup, tu peux le foutre là. De toute façon, c'est bien aussi. De le mettre là, le violet. Sinon, je vais là-bas. Je me téléporte là. Non, ça marche pas. Non, parce que ouais, bah là, je vais faire le déplacer. Ça va être dur. Je vais mettre ici à portée 1. Mmh. Là, et je vais payer pour déposer le violet. Voilà, par contre, tu peux te téléporter là-bas et en reprendre un autre, si j'ai bien compris. On va pas s'empêcher de le faire. Ouais, bah, je vais prendre un dégât de plus, par contre. Mais... C'est pas grave, de toute façon, on va se prendre des dégâts et c'est lui qui peut jouer. Ouais, là, donc, non, il n'y a plus de violet à piocher, donc allez là-bas pour piocher un truc. Ouais, bah, c'est un truc que même on pourra se retéper dans notre portail. Pour non, parce que là, il manque du bleu. T'as du bleu, toi, avec lui ou pas? Non, j'ai du bleu avec Moon Knight. Mais en fait, on peut se retéper dans tous les portails après. Donc, ouais, c'est pas gênant. Mais si, parce qu'à chaque fois, je prends un dégât. Mais on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, c'est énorme un dégât. Moi, je pense que c'est bien parce que là, il peut jouer Black Dwarf. Et donc, il n'y a plus que lui et Dormammu. Si tu te mets là-bas, il ne pourra pas caler son Dormammu parce qu'il y a trop de mecs. Et là, par contre, avec Black Dwarf, tu peux se déplacer de taper. Donc, autant que tu le fasses se casser. Après, ouais, s'il reste avec Dormammu là-bas, et comme ça, on pioche des jetons à un moment donné. Ouais, mais là aussi, on peut piocher des jetons. Oui, mais là, tu l'as déjà pioché. Ça, après, en fait, toi, tu vas sûrement fermer ce portail à ce tour-là parce que tu l'as avec Blade. Ah, non, Blade, j'ai rien. Bleu. Mais on sait. De toute façon, tu ne fermeras pas à ce tour-là le truc. À force d'en prendre, on va bien tomber sur les trucs. Hein. Oui, ça me saoule, j'ai pas envie de... Moi, je pense qu'en prendre deux par tour, c'est bien. Ouais, mais... Moi, je peux revenir ici et repiocher après, derrière. Ouais, mais là... On est bien, là, on est pénible. Allez. Bah... Allez, hop, moi, ouais. Je me retéporte pas. Ok, c'est fin de la partie. Fin de la partie, ouais. J'attends de voir, ça se trouve, il va nous buter, du coup, il y en a qui vont tomber et tout ça. C'est la fin de l'activation, ouais. C'est ton tour, Yuri. Et par contre, on avait le droit d'en prendre plusieurs des spells contenants, on est d'accord? Plusieurs sur soi, ouais. Black Dwarf, il va bouger. Vas-y. Avec une charge. Ok. Tu peux pas recouvrir. Tu peux pas recouvrir. Comment ça? Mais oui, je sais. Ah ok, je te disais. Normalement, de toute façon, on est à deux. Hein. Il va taper Iron Fist. Je vais te taper Iron Fist. C'est bien. Ah, c'est de ma faute, j'aurais dû te placer un peu plus loin, tu vois. C'est pas. Donc j'ai 6 dés, et comme j'ai chargé, je rajoute 2 dés. Toi, t'as 3 dés, tu comptes les blancs. Mmh. Ça te fait 8 dés, là? Oh! Oh là là, ça c'est joli. Ça fait 4. Ça fait 4. Allez, vas-y. Là. Un beau jet. Tu comptes ça les blancs. Ça fait 3. Allez, bon, un dégât. 2, 3. Deux, trois.
Ça, c'est l'Iron Fiston comme on l'aime. Non, tu gagnes un pouvoir. Tu m'as mis que un. Ouais, il n'y a qu'un dégât. Hein. Ah bon? Bah ouais. Oui, j'ai paré 3, t'as fait 4, j'ai paré 3. Ok. Moi, j'ai cru que j'en prenais... Mais t'avais autant de pouvoir avec lui? Bah ouais. T'as utilisé combien pour ta charge? Bah 2. Et t'as... Bah oui, je suis blindé. T'avais pas commencé à 4? Non, largement pas. Ok. C'est bon. Tu peux passer la régie si tu veux. Oh ouais. Sympa. Tu vois, Hulk, j'espère qu'il a mis du déo, là, parce que sinon, les mecs autour... Je vais lancer Hulk. Ouais. Tu peux lancer le taille 4. Ouais. Ah bon? Tu lances à portée 2. Je pense qu'il est à portée 2. Hein. Il est le Nexus. Ouais, ouais. Tu lances de M? Ouais. Coquin. Bah écoute, ça va être sur Cléa. Ouais. Ping. Ouais, bah Cléa. Cléa, la 2D. Hein. 2D en physique? Ouais. Meurs pas! Oui. C'est un critique. Oui, oui, allez là, je prends que 3 dégâts. Je me mange des Hulk tous les jours, moi, madame. Putain, quasiment mort. Allez, c'est parti, Dormammu! Oh, il n'a pas joué encore. De toute façon, là, ça va être la mort. Là. Non, t'as des réglettes qui sont peintes. Des réglettes qui sont peintes. Elles font la même taille, Yuri, c'est pas la peine de remesurer. On sait jamais. Du coup, hop, on peut mettre Dormammu. Tu peux mettre ça. Voilà. Je vais taper le machin furieux. En... Iron Fist. Iron Fist. En quoi? En énergétique. Allez, 3D. Non, en physique. C'est pas grave, c'est pareil, c'est 3D aussi. En fait, j'ai 3, on a 3 partout. Donc... Vas-y, Marco, c'est toi. CD relançable. Tu me tapes qui? Iron Fist. Fucking. En physique? Ouais. Ouais, c'est pas terrible. Tant mieux. Ah, ça fait que 3. Tu comptes pas les crânes sur celle-ci, si? Non. 3 alors. Ça fait 1 pour l'instant. Ouais, il fait au moins une vierge. 2. Tu prends un dégât en pouvoir. Ah, c'est pas terrible. Bien. Tu revois un dégât. Tiens, file-moi un 3 dégâts, là. Je vais te faire de la monnaie. Deuxième attaque. Sur Wong. Vas-y. Oh non! Physique. De recul. À combien de distance? À 2, c'est bon. Non, t'es à 2, là? Oui, c'est bon. Ouais, il est à 2, je pense. 4. Deux. Oh, j'ai un piercing. T'as un piercing, deux, moi aussi, mais je te montrerai pas où. T'as fait 2, mais il survit, il peut plus nous mettre de dégâts. C'est terrible, franchement, c'est terrible. C'est affreux. C'est la fin du tour et c'est lui qui commence. Il se moque de nous. Ah non, mais non, là, il y a encore un truc. Non, il a plus rien, là, il a juste ses deux actions. Ouais, mais là... Il a plus de pouvoir. Si, j'ai 3, là. Ouais, mais après, c'est à nous de jouer, mais là, ouais. Bah non, non, parce que pour ce TP, il faut que je sois là. Voilà, donc fait que tu Donc là, il nous reste qui à jouer à Story? Il nous reste Blade après, il reste Cléa. Cléa qui peut aller mettre des jetons. Cléa, il faut qu'elle aille mettre un jeton. Cléa, elle peut pas aller là-bas, là. Elle a pas un truc pour se téléporter. Non, non, mais attends, je vais me téléporter. Hein. Non, par contre, Cléa, tu vas à un Nexus. Ah ouais, mais c'est trop loin, les Nexus. Les Nexus, ils sont double web. Ah non, mais c'est pour les portails. Le manque de chance, il est incroyable, quoi. Donc là, tu vas là, tu TP, tu vas là-bas, tu prends un truc, tu mets ton bleu. Là, je ferme le portail même. Avec bah oui, c'est ça qui est bien. Mais je sais pas ce que vous... Bah avant de le fermer, laisse-moi l'utiliser avec Blade. Non, bon, écoute. Sinon, non, je reste ici. Tu restes ici, okay, c'est ton choix. Ouais. Regarde, Cléa, elle peut fermer ce portail. Ouais. Ça, c'est cool. Là, si on peut mettre la zénithale... Après, Cléa, si elle ferme ce portail, elle prend un dégât, elle est presque morte. Quoi. T'as pas géré, t'as mis trop de morts. Ah. Non, oui, mais justement, avant de le fermer... Moi, je veux aller récupérer je là. Je les portes là-bas. Venir ici. Je repioche. Je veux aller ici, revenir ici, me TP et me mettre à un endroit qui peut être utile. Parce que là, en fait, si toi tu le fermes, je pourrais pas me TP. Pourquoi tu ne fais pas juste revenir ici? Pourquoi tu vas par là d'abord? Bah, pour récupérer un jeton. Non, c'est comme tu vas téléporter là-bas, tu pourras le piocher là-bas. Ouais, je pourrais en piocher 2 comme ça. Ouais, mais du coup, tu n'as plus d'attaque. Mais tu veux que j'attaque qui là? Dormammu. Dormammu, il est pas mort. Hein. Ah non, il est. Et là, si on le tue, qu'il est présent 0, ça fait que dalle.
Là, ça fait que dalle. Il faut le laisser monter, t'as raison. Bah oui, qu'est-ce que j'en ai. T'as Black Swan aussi, hein. Mais Black Swan, on s'en fout. T'as quoi comme couleur sur lui? Il porte des trucs ou pas? Non, mais il y a que deux Dormammu qui va jouer. Ça en fait deux. Il y a quoi dans le truc? Il reste quoi comme couleur là? Ben, il en reste quelques-unes. Il en reste trois. Donc il y a tout sauf du violet dedans. Voilà, donc moi je peux venir ici avec mon bump. Parce que ça se trouve, tu vas le. Donc j'utilise un pouvoir. Ouais. Ouais, tu vas être un, je pense. Ouais. J'espère, parce que sinon c'est chiant. Je pense que tu vas y être. Hein. Ouais. C'est bon, t'es large. Donc vas-y, je pioche. Vas-y. Et t'en prends un bon. Donc du coup, c'est un rouge. Ok. Le rouge, on en a besoin là-bas. Ouais. Du coup, ce que je fais, c'est qu'après, je me déplace de M. Ouais. Tu peux pas, avec un double mouvement de M, aller mettre le rouge là-bas, sinon? Non, t'es trop loin, t'es beaucoup trop loin. Parce que là, qu'est-ce que tu vas foutre à te mettre là-bas et tout? Et toi, il faut que tu commences à aller vers là-bas. Hein. Bah, du coup, je peux quand même y aller ici en me TP. Non, quand je me TP, c'est non, quand tu te TP, tu vas te TP là-bas. Moi, je pense qu'il faut commencer à remplir celui-là. On peut pas se TP là-bas. On n'a pas le droit de se TP dans le Nexus. Non. C'est où Interact toi, Dimensional Rift. C'est les Dimensional Rift, c'est que ces deux trucs, hein, c'est ça? Ouais. Ah, shit. Moi, je trouve ça bien d'en avoir deux. Ouais, mais là, on se rapproche de Dormammu. Il vaut mieux qu'on soit différent. Ouais, mais après, ce que tu veux dire, c'est qu'après, t'es là-bas tout seul dans la pampa, quoi. Ouais, je comprends. Vas-y, juste que t'as envie, Marco. On s'en fout. Ouais. J'ai confiance en toi. Allez, on va y arriver. Donc, du coup, je me déplace. Hop, une action. Ouais. Je prends l'interaction du portail et tu peux mettre un. Tu prends un dégât. Voilà. Et toi, tu gagnes un pouvoir, mais on s'en balique de ça. Ok. Donc là, du coup, là, t'as fait tous tes trucs. Non, il me reste une action. Il reste une action. Voilà. Tu vas être à deux de Dormammu, tu vas te mettre comment, là, par rapport à ça? Par rapport à ça, donc je peux me mettre... Vaut mieux que je sois à deux de Black Swan, en fait. Ouais, et en plus que tu lui mettes le bleed ou un truc comme ça, la petite Black Swan, là, faut lui mettre le tarif à Black Swan, parce qu'il faut qu'on la tue au prochain tour. Ouais. Du coup, il reste deux jetons, donc j'en pioche un. Ouais. Et celui que je pioche, c'est le vert. Ok. Et après, du coup, qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore oublié, hein. Ça fait deux fois que j'oublie de prendre des shards avec eux. Par rapport à quoi? Bah, par rapport au... Ah, au Dazed. Au portail. Bah, vas-y. Ah oui, ah non, tu interagis pas, ouais. Ouais, mais du coup, tu gardes tes pouvoirs. Ouais, ok, ouais. Puis du coup, je vais faire une petite attaque sur Black Swan. Elle a une contre-attaque, Black Swan, un truc comme ça? Non. Non, bah vas-y, hein, du coup. Donc 5D. C'est le truc de base, en mental. En mental? Ouais. Et t'as un pierce. Blade? Ouais. Ouais, Blade, il attaque quasiment qu'en mental. Il a une impressionnant pas, il a un truc aussi. Bah, si je fais des jets de merde. Non, t'as 2 sur 5, ça va. 2 ouais. sur 5. Hop. Et pas de... Bon, bah, écoute, elle se prend 2. Ok, du coup, je gagne 2 pouvoirs. Et tu prends le bleed. C'est obligatoire, le bleed ? Ouais. Ouais. À la fin de mon tour, s'il y a des mecs qui sont à 2 de moi, donc c'est ton cas, je gagne 1 pouvoir et je soigne, de 1. C'est bien, ça, mec. Ok. Voilà. Et du coup. Donc ça, c'était notre première activation du tour. Vas-y. Voilà. Donc nous, il nous reste derrière la petite Cléa. Vas-y. Et Mordo. Ouais, donc la petite Cléa, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir ici. Mmh. Elle va se TP. Elle va... je vérifie. Ouais, se téléporter ici. Donc elle prend, une blessure. Dégât. Donc, ouais. Ouais, voilà. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça. Non. Tiens, une blessure qui est là. Je la reprends, celle de Blade. Voilà. Ensuite, là, elle pioche on le va dernier, piocher le truc. Ouais. Hop. On a tous les jetons. Hein. Putain, double bleu. Et donc là, elle va faire un mouvement de M. C'est toi qui as la réglette de M? Non, elle est là. Un mouvement de M, elle va venir là-haut. Ici. Apporter un. Hop. Et elle va payer un pour déposer. Attention! Et on ferme le portail. On ferme le portail. Attends, on tire. Vas-y Marco, choisis, toi, t'as la main malheureuse. Quelle carte qui sort? Et la Chosen One. Oh oui, c'est celle qui se soigne! Oh putain! When this character is revealed, le personnage qui a placé le dernier composant
pour fermer le portail. Et enlève tous ses dégâts. Donc c'est cool, elle était. Elle oui, était bien elle embauchée. Flippe sur le côté LC. Elle flippe sur son côté LC. Ah, mais voilà. Ah, ça c'est cool. Et elle gagne 10 pouvoirs. Bah, déjà, elle en avait pas mal. Bon, ça c'est pas mal. Tu vois que ça valait le coup. Ouais, après, bon. Après, en addition, c'est pas la plus folle. C'était pas le truc. En addition, si ce personnage. Si ce personnage. Hein, attends, if it's a character. Ah oui, elle est plus active. It's done not gain an activated token after it's complete its activation. C'est donc là, on peut la rejouer. If it's an activated token, remove it. Ok. Et après, il y a écrit the character then pick up one spell component of each was from the pool. Après, on peut gagner un component de notre choix, mais pas aléatoirement. Mais je crois qu'il n'y en a plus dans le truc. Then the character pick up one spell de son choix. Bah non, mais si, parce que là, on les remet là, là, on les enlève, on les remet dedans. C'est ce qui est écrit quand on ferme un portail. Bah quand on ferme un portail, on remet les composantes dans le truc, non, je pense, mais je sais pas ce que t'en penses, Yuri. Attends, peut-être faut lire. Pas, hein, peut-être pas. Non, 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 je mettrai pas. Ok, bon, bah, si on dit non, on dit non. Non, non, ils sont fermés dans le portail. Il y a écrit et enlevez-les du battlefield, donc c'est en, on les enlève du terrain. Ok, donc on les remet pas dans le truc. Dommage. Ouais, parce que en fait, tu pourrais piocher et ne jamais trouver les autres composants si tu les as pas piochés avant. Donc ça donc, sera, du ça coup, sera et là, du coup, toi, quand tu nous as appris nos composants, t'en as fait quoi en fait? D'ailleurs, je crois que tu m'as appris des composants. Ouais, mais après, c'est t'en retombé. As fait, t'en as fait quoi? Non, non, ils sont retombés au sol et tout ça. Ok, est-ce c'est... qu'on peut compter le nombre de composants pour être sûr qu'ils sont tous? 1, 2, 3, 4, 5. Mais il en avait plein sur vos fiches. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 16. Donc okay, c'est ça. Bon, c'est... Et les 4 qu'on a retirés, ça fait 20. Bon, bah du coup. Ok, dommage. Donc là, Cléa, elle a joué, mais elle prend pas de token t'as d'activation. Affiché la carte, c'est ouais. Donc là, à ce tour, on a joué qui? On a joué. Donc on là, a joué peux... Blade et on a joué Cléa. Est-ce que je rejouerai pas Cléa, tout simplement? Pour aller plutôt mettre... que Baron Mordo, qui est un peu dans le mal. Ouais, et puis du coup, on va mettre son truc bleu. Ouais, juste... Vas-y, comme ça, il y a un bleu mouvement. De partout. Et un autre mouvement. Et un deuxième mouvement pour être plutôt... Hop, revenir un peu voilà. Dans le game. Là, tu mets le truc. Je paye un. Et après, tu peux prendre le portail pour aller en chercher un autre. Je pose le bleu. Ah oui, mais ça sert à rien, de toute façon, on peut si, plus si, en piocher. Si, si. On peut plus en piocher, il y en a plus. Ah ouais, il y en a plus. Donc ça sert à rien. Ok. Bah, ça me permet de revenir là-bas, mais je vois pas trop l'intérêt, ouais, à part prendre un dégât, nourrir Dormammu. Écoute, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est et donc bon. Là, ça fait un activity token, et donc c'est bon, on a joué nos... tout notre truc. Mmh. Alors, en avant, moi, je n'ai que 3. Putain, on a eu la bonne The Chosen One. Je t'avais dit que t'avais une bonne main, ah, tu vois. Ouais. Bien joué, mais tu devrais jouer au jeu de cartes, en fait. T'es pourri au jeu de cartes. Arrête les figurines. Arrête les figurines. Tu t'es pris le truc dans la gueule, mais... Ça, c'était gratuit. Allez. Ah, allez, pim-poum. Pim-pam-poum. Vas-y, fais-nous mal, mon vieux. Ouais, mais... Allez, fais-moi mal, dis-moi des mots, ça. Allez, Yuri. Attends, Dormammu. Ouais. Il va tirer en physique sur... Il lui reste combien de points de vie à Iron Fist? Iron Fist, ouais, il en reste 3. 3. Bon, bah, je vais tirer sur lui. Vas-y. Vas-y. Ah, bon, je sais plus rien, là. Bah ouais, bah... Mais t'es t'es où, mon vieux? Tu fais 4 touches bon, avec... Je relance. Bon, bah, à mon avis, il crève. Hein. Non, 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 vas-y. Il est ex ou il est pas ex? Il est pas ex. Bah, il faut que j'ai deux critiques, sinon il crève. Mais non. Bah, si. Pourquoi? Deux défenses, bah, il prend 3, il meurt. Ah ouais, putain. Ah ouais, putain. Ouais, mais il est mort. Hein. Il est mort de chez mort. Hop, ouais. Il avait un truc. Je te le mets où? Dans ton cul. Hop, hop, passe. Il a fait. Il a franchement, il a joué son rôle. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Donc là, c'est Dormammu qui le porte, celui-là. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir fermer ce portail. T'as pas gagné un truc, tu l'as déjà mis. Hein. Je l'ai déjà mis, ouais. Hop, allez, on va se faire une petite vue de Dormammu, peut-être. Il a abusé, Dormammu. Il fait trop mal. On n'aime pas. On est contre. On est contre. On est contre. Pas content. Qui s'abstient. T'as gagné un pouvoir de moins quand tu l'as activé, hein, parce qu'il y avait un... Oui, oui, mais t'inquiète pas. Ok. Ça va être compliqué maintenant. On est bien parti, je pense. Je sais exactement ce que ça va être tendu. Après, donc là, ça va être tendu. Je sais ce qu'on va faire. Si Yuri il est malin, ça va être tendu. Il est malin, Yuri. Ça va pas être tendu, t'inquiète.
Pour 3, je vais me déplacer. Ah, je craignais, je craignais. Oh putain. Oh bah voilà. Oh, oh non. PTT, PTT. RTT, RTT. Arrête de rapprocher mon Mordo. Bon, de toute façon, c'était... Bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ce Dormammu? Il n'est pas crédible. Allez, hop. Sur qui? En énergétique. Sur qui? Sur Mordo. Mais vas-y, mec. Qui a incendié, qui a... Ah ouais, j'ai 3D, hein. Tiens, voilà, ça c'est... La machine est relancée. Une défense. Une défense, une tête de mort? Ouais. Ça, c'est bien, ça. La tête de mort compte. 3, ça fait 4 pour toi. Ouais. Moins 1, ça fait 3 dégâts. T'es okay. Mort. Bah non, j'ai qu'un dégât. Il reste un point de vie. Il me reste un point de vie. Il lui avait qu'un dégât. Ah, je sais pas, je pense pas. Hein. Il s'était fait poutrer, hein. J'ai peut-être pas mis les dégâts tout à l'heure. Ah bah non, mais si je peux pas tout vérifier. Hein. Vos 34 machins. Par contre, je te fais un sap. Était... Non, je te fais pas un sap. Moi, j'étais de l'autre côté. Parce que j'ai fallback et tout. Mais si j'ai fallback... Mais t'as peut-être fallback et pas mis les dégâts. Ouais, je pense que j'ai pas mis les dégâts. Vas-y, il est mort, il est mort, il est mort. Il avait un point de vie pour moi. Ouais, pour moi, il était mort. Tiens. Attends, il faut que tu le déposes à deux de moi. Il faut que je le dépose à deux de toi. Il faut que je puisse le prendre. C'est pas dit, quoi. Ouais. Donc moi, je me suis fait dazed, là. J'ai pris un pouvoir. Tu vises les réglettes à couleur. Excuse-moi. Allez, je vais les virer. Ah putain, tu chies. Et je vais me téléporter parce que rien du tout, en fait. J'ai pas besoin de me téléporter. Ça sert à rien, parce qu'on tire dessus, ça fait que dalle, non? Ouais. Si, il va lâcher le composante de sort, là. Tant qu'il a le composante de sort, on peut pas fermer le dernier portail. Bon. Mais si, il a un rouge. Ah ouais, mais nous, on en a plus que ça. Bah, oui. Ah ouais, c'est bon, en fait. Bah non, vous en avez pas plus, normalement. Si, il y en a 20 pour... Ah ouais, si, il y en a 20 pour 16. Ouais, c'est ça, on a largement de quoi fermer. Bon, ça marche. Du coup, tu fais quoi? Là, t'as fait tes deux actions? Ouais, je me téléporte. Ok, nickel. Okay. Bon, parfait. Bon, c'est bon, il a pas vu, là, on a gagné. Yeah, je pense. Vas-y, allez, phase de pouvoir. Il a pas tapé le bon gars, donc on fait, voilà, on fait les choses dans l'ordre. Phase de pouvoir, mon Dieu. Bon, phase de pouvoir, je gagne. 3 pouvoirs avec lui. Un pour lui, un pour Mordo. Pourquoi Wong, il avait rien? Mais si, Wong, il portait deux... Il porte le vert et le violet. Ouais. Et ben attends, il n'y a pas que Wong, il est venu à pleurer. Attends, il faut qu'on réfléchisse parce que là, on n'en a que 3 activés. Je gagne un pouvoir avec lui, un pouvoir avec lui. Bon. Alors, non, regarde, de toute façon, c'est... Regarde, déjà, Blade, j'ai un rouge, un vert. Je fais un double rouge. Non, mais de toute façon, ce tour 2 a été une catastrophe. Rouge et vert, ici, est-ce qu'on peut pas fermer? Au niveau des jets de dés, et j'ai fait deux oublis de... Je me TP et je vais direct mettre... Attends, pour moi, c'est Strange. Strange. Je me téléporte. Non, lui, il n'y a pas besoin. Mais écoute. Mais lui, je tape lui et en plus, je mets les regarde, violets. Écoute-moi, là, je ferme ce portail-là en un tour. Avec Wong. Oui, mais moi aussi, je ferme les deux autres portails en un tour, peut-être. c'est les 3 qu'on va activer, de toute façon. Oui, mais Wong. Pourquoi Wong? Wong, il peut fermer le portail. Wong, il peut fermer ce portail-là, si on veut. Ou alors, Strange peut fermer ce portail-là. Mais il faut que je fasse Wong et Strange. Soit Strange tout seul ferme ce portail. Soit c'est Wong qui ferme ce portail, mais il faut que je le fasse. Bah, faut que tu passes. Pourquoi Wong, il a quoi? Parce qu'en fait, Wong, il a les deux composantes, mais il fait double M. Donc il faut que Strange le scalpel pour le téléporter à 3 pour qu'ensuite, aucun double M, il soit apporté, tu vois. Ouais, et il peut. Sinon, Sinon, il se scalpel lui-même. Mais Strange. Par contre, il a 4 PV. Et bah, c'est bon, là, tu lui mets un PV dans la gueule, et il va au portail. De toute façon, on s'en fout, il servira plus à rien après. Donc autant il se sacrifie, on économise une. Ah, tu veux dire, j'avance ici, je me téléporte là-bas? Tu peux te téléporter, oui, voilà, exactement. Enlevez vos jetons d'activation déjà. Oh, ça y est, on revient sur le champ d'activation. On sent Curie tendu. Ouais, là c'est bon, il a vu que ça y a moyen. Ok, donc ce portail-là, je m'en occupe. Ok, toi, donc là, tu t'occupes de quoi? Toi, tu voudrais te Moi, je peux aller mettre avec lui la Blade, j'ai les deux qui peuvent compléter là-bas. Et toi, avec une, tu finis celui-là. Et en plus, j'avoine. Ok, et donc avec qui on fermera l'autre? Il manque une couleur là-bas après. Bah, la couleur qui manque, ce sera violet. Donc violet, Strange, t'en as un de violet. Wong, il a du violet. Oui, mais Wong, tu vas l'utiliser ici. Ouais. Donc violet, il restera plus qu'un violet à mettre là-bas. Et violet, en plus, après, tu as lui qui en a. Wong... Mais pourquoi il a été ramassé? Mais pourquoi est-ce que je fermerais pas celui-là avec le... Tu vois, pourquoi est-ce qu'on garde pas Hulk pour aller fermer ce portail-là? Il y avait un pion, là. Trop long. Pourquoi il était parti? Ouais, il y a un pion... C'est toi qui l'as enlevé. Je crois que c'est moi qui l'ai enlevé. Ouais, tu vois, pour moi... Bah,
Pour moi, on ferme. Ce faudrait pas fermer ce portail-là avec Hulk. Hulk, c'est notre plus solide. Hulk, il faut qu'on le garde pour la barre. Mais je peux le TP. Est-ce que j'en ai à foutre? Il a 15 points de vie. Je viens là avec One Below All, je le ferme, je me TP, je tape. Tu TP là-bas ou là-bas, mec? Ouais. C'était deux points de téléport. Okay. Donc comment t'arrives là-bas? C'est pas en prenant... Non, c'est en prenant un Dark Portal, tu vas à un Dimensional Rift. Ah oui, donc pour tu moi, peux pas te téléporter là. Pour moi, avec Strange, je ferme celui-ci. Si, parce que Strange, il se scalpel. Avec Wong, je ferme celui-là. Moi, je pense que non, enfin... Et comme ça, j'aurais pu éclater Black Dwarf. Hein. C'était pas mauvais. Hein. Et honnêtement, là, moi, Blade, je donne pas cher de sa peau. Il aurait dû l'éclater, en vrai. Donc c'est bien de faire un double move. Même pas, je fais même pas un double move. Je me TP à un portail et c'est bon. Je me TP au portail, je tape. Tu te TP pas au portail, mec. Tu te TP au truc. Tu peux pas avancer au portail. Ok. Tu te TP. Tu te bah, TP je fais un double move et je vais le mettre. Je pense que je peux y arriver. Oui, avec mais deux mouvements la difficulté, de c'est qui met les dernières couleurs. Bah après, il reste un violet à mettre. Là, moi, on en fait moi, bon, moi, pour moi, il faut envoyer en Wong ici éventuellement. Oui. Donc là, pour moi, ça veut dire que je dois activer Doctor Strange et Wong. Sinon, Wong, il arrive pas. Tu peux pas y aller en une fois. Non. Il faut que Strange scalpel Wong pour aller chercher ici. Et là, quand tu prends ça. Et après. Quand tu vas dedans ça. Écoute, laisse-moi juste activer les trois. Je fais Mordo, Wong et le. Oui, parce qu'attends, à la fin. Ah ouais, non, Mordo, il était dazed. Ah putain, dommage, parce que normalement, je devais bouger de M avec lui. C'est ça que j'avais prévu. Parce que j'avais pas été activé. Là, ici, je me mets là. Là, maintenant qu'il n'y a plus Dormammu, je serai à portée 1, tu vois. Donc, le truc, c'est que lui, il peut fermer ce portail-là. Mmh. Ça fait 1. Est-ce que ça te va, déjà, si moi, je ferme ce portail-là? Et avec Hulk, je fais quoi? Tu gardes le violet et on ira fermer ce portail. Jusqu'à ce qu'il mette 8 points de victoire. Ok, vas-y. Là, de toute façon, je pourrais plus. Hein. Maintenant, je suis dans la merde. Et là, d'ailleurs, on est au tour 3, au tour 2, au tour 3. Au tour 3, du coup, et t'avais gagné 0 points, du coup. Bah ouais. Oui, parce qu'il était en présence 0. Donc là, on est au tour 3, maintenant. Allez, hop. Donc là, tu ramasses. Je ramasse. Je me mets là à portée 1. Tu dépenses 1 et tu fermes le portail. Et je ferme le portail. Et on pioche une carte, du coup. Ouais. Ouais. Hop. Et là, ça peut être des malus aussi. Ah bah, ça, vous avez pris la seule bonne carte, donc... Banishment. Ah bah. Double the damage, Wenscar reveal, choose the Kargi. Ah tiens, on choisit un personnage qui chope cette... Tu peux mettre Punishment, ok. Et donc là, quand ça carte c'est 1, choose the crazy team character. Cette character, made use. Non. Bah mets-le à un mec bidon, en fait. Hein? Genre à Wong. Non, Wong, il va servir à fermer le portail et ensuite il mourra. Tu peux le mettre à Clea, comme elle est à côté des gars qui peuvent... Ouais, c'est pas mal, Flea, c'est pas mal. Du coup, ça... Ah, mais c'est trop tard. Hein. J'ai pas eu de réussite, donc il y a eu un moment où ça... Non, mais tant mieux. Ensuite, Wong... Au début, on a chié aussi. Hein. Je vais utiliser Doctor Strange. Hop. Tu peux retirer 4 pouvoirs à Doctor Strange, s'il te plaît? Il est où? C'est celui premier. Ouais. Il va mettre Wong ici. Tac. Ensuite, Doctor Strange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une attaque alors à portée 3. Je dois avoir la petite Black Swan à portée 3. Et là, si tu le tues, il revient quand, le personnage? Clean up. Donc là, si tu le daze, tu peux rien faire. Tu pourras pas le jouer. Non. Allez, j'ai 5 dés en mental, full relance. Par contre, je suis ex. 5 dés en mental. Ça en fait 2 avec un pierce. Et t'as full relance. Ouais, mais full relance, c'est un coup. Ah non, au début de mes tours. Lance d'abord tes défenses, parce que c'est là que c'est comme ça, tu vois, je vois si... Vas-y, je... vas-y, de quoi? Lance tes défenses avec Black Swan. Oui, mais défense de quoi? Non, je dois tout lancer. Je sais pas si je dois pas tout lancer et faire mes modifications avant qu'il fasse son jet, en fait. Ah non, tu dois faire jet. Ouais. Tu fais le tien et ensuite je modifie. Maintenant, c'est toi qui décides de relancer et moi qui déciderai après de relancer. Mais Eh ben non, moi je relance pas. Donc tu fais combien de touches? Deux avec pierce. Donc, du coup, ça deux fait 0. Alors, deux je vais payer. Non, vais... non, c'est un seul pierre. Je vais payer. Oui, mais il a qu'une seule réussite. Je vais payer 2 Midnight Field. Ouais. Ça enlève. Ça transforme tes wild en blanc. Les deux? Ouais. Pourquoi? Tu peux faire ça autant que tu veux? Ouais. Il y a écrit à quel moment? Non, mais c'est durant le modify. Le modify open on die step. Donc là, tu peux pas relancer, du coup. Non, du coup, ouais. Ok. Donc, ça a été fait. Ok. Il peut faire d'autres trucs ou pas?
Bah ouais, il peut refaire la même chose, ou alors il peut payer 1 pour faire ça, 6 dés. Vas-y, je vais faire... En physique, t'as une meilleure défense qu'en mental ? Oui. Eh ben, je te fais du mental, 6 dés, s'il te plaît. 2. Oh, je vais faire full relance. 2. Okay, full relance. Deux. Allez, là, 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, je vais faire pareil. Pour 2, je t'enlève 2 wild. Ok, du coup, j'ai pas de wild. Du coup, bah, tu prends 3. Ah non, t'as 2 aussi derrière. Ouais, donc 3 et 2. Tu prends 1 et t'es empoisonné. Oh putain. Empoisonné. Et t'es empoisonné. Donc ça, c'est tout pour Strange. Voilà, et après, moi, je peux jouer Blade. Je joue Wong. Ah. Je fais un premier mouvement. Je sais pas, 1. Je vais faire un deuxième mouvement. Je vais venir ici. Je vais payer 1 avec Wong. Je vais déposer. Les deux. Et on pioche une carte. Et on pioche une carte. Bon, là, autant dire que j'ai perdu. Pas forcément. Ça dépend de la carte. Non, parce que en fait, t'es tout seul, donc il y a des trucs qui font explosion, mais sur plein de gens. Donc, quand cette carte est révélée, bah, tu vois, justement, cette caractère... Elle s'appelle comment ? Dangerous Blessing. Vas-y. Tu chopes le bleed et le stagger. Ok, on s'en bat les. Bah non, si, parce que... Ouais, bon, okay. Et tous les copains qui sont à 3 gagnent 1 et remove 1 token. C'est bizarre, hein. Ok, donc j'ai le bleed et le stagger. Ok, bah je suis stagger et bleed, je me le note. Sur le personnage actif ? Non, il y a écrit après... Cosmic Streak Character Within 3 of the Inter. Ok, il n'y en a pas. Ok, c'est toi, c'est donc, ton tour. Tu vois, c'est sans doute. Tu t'es pris un de dégâts, donc à la fin de ton tour. Il est mort. Non, mais ouais, non, mais c'est important quand même. Okay, et il est mort. Pourquoi ? Non, il y a toi. Et là, tu t'es pas pris un de dégâts aussi. Pour l'explosion, non ? L'explosion, on faisait pas de dégâts. Non, okay. C'était les autres. Attends, regarde. C'est bon, alors. Ok, c'est ton tour. Eh ouais, et là il peut plus stepper en plus vers nous. Ah voilà, c'est chaud. Parce qu'il a plus qu'un portail pour stepper. Si Bah après, déjà, je gagne 1, tu vois, en plus je gagne rien en plus. Ah ouais, il gagne plus de pouvoir. Et t'es en présence combien là ? En présence 0. Oh là là là. Bah tu vois, c'est bien, au début on a pris cher et après on a. Là, il y a un retournement de situation. T'as combien de pouvoir avec Hulk ? Avec Hulk, j'en ai que 3. Ok. Mais bon, tu vois, ça te fait ton bump, double mouvement de S, tu peux quasiment aller fermer le portail, je pense. On va voir. Parce que là, tu vois, tu fais bump et one below all, ça te fait bump de 1, ensuite move de 2, ensuite double S, tu mets le violet. Et sinon... Baron Mordo, il a combien de dégâts, là, sur lui ? Il est tout full life, parce qu'il tu l'as tué au tour précédent. Mais là, de toute façon, on n'a plus de jetons à prendre, en fait, on les a déjà tous sur nous. Ouais. Là, il faut juste qu'on rush le portail et puis que... Ah, ça va être trop chaud. C'est fin de game quand les 4 portails sont... Ouais. C'est la seule façon de terminer le jeu positivement pour la crise tactique. Allez, on va taper. Avec qui ? Avec Durnamo. La petite Claire, le pauvre. Remarque, elle a banish maintenant. Elle fait 8 dés. Oh, c'est une attaque à 8 dés et ça double le dommage. Eh, c'est 8 dés, et si j'ai 2 touches, un crit, un wild, je double les dégâts, bah, et c'est 8 dés full relance. Je vais taper le Moon, il est à combien ? Moon Knight. Il a un point de vie en moins ? Ouais. Et le Blade, il a un point de vie en moins ? Non, il est full life. Il s'est téléporté. Oui, mais le Moon Knight, alors je vais taper le Moon Knight, avec la grosse attaque de Black Swan, 8 dés. 3 dés de défense. C'est qui, Black Swan, qui tape ? On est de défense. Vas-y, mec. Ouais. Mais il a un truc aussi. C'est une attaque comment ? C'est une attaque physique. Ok. C'est pas mental, du coup. Tu peux pas faire ça, Thierry. T'as fait mal, là ? Ouh, 5. Bouh, 1. Non, peut-être plus. 1. Tu prends 4. Alors, tu prends 4. T'es dazed. Je suis dazed. Tu peux me donner... C'est pas vrai, putain, mais tous les trucs qui étaient after attack Pose ça à deux dés. C'est con. C'est pas dingue. Lancer, enchaînement... Et nous, si on a plus de personnages à activer, ça marche comment ?
Comment ça, puis... bah, on n'active plus rien. On peut plus activer les 9. Bah ouais. Putain, je ferais bien Cléa après. Hein. Cléa, bah ouais, double, ouais. Double banishment, ça fait 8D. T'imagines? Donc, ah non, c'est une fois dans le jeu, je peux l'utiliser. Donc je pourrais pas faire double 8D. Elle a fait ça. Est-ce que tu as honte de toi d'avoir terrassé ainsi l'avatar de Kyushu? Non, il a pas honte. Non, j'ai pas honte. Et à la fin de son activation, elle a un bleed, elle va crever ou pas? Attends. Ouais, je réfléchis, j'ai le droit de réfléchir quand même. Regarde pas ça aussi. Je sais. C'est un bien en cas. Ça ne m'intéresse pas là. Ouais, je sais bien, je sais bien. Eh bien, moi, je vais essayer de taper. Parce que c'est toujours bien de taper. Je vais taper Dr. Strange, on sait jamais. Je sais que j'ai très peu de chance. Le sorcier suprême ? Ouais. Eh ben, je fais un critique, un wild. Ouais, c'est bon. Et voilà. Donc, j'ai défendu. Je fais rien d'autre. C'était en physique. Dommage, on avait River Spear sur le reste avec wild, mais bon. T'as défendu ? Ben, c'est bien. Ouais, moi, je vais taper Cléa. J'ai 6D. Donc, avec Dortumu ? Ouais. T'as 6D, c'est quoi ? C'est du physique ? C'est de l'énergétique. Oh, j'ai 3D, mec, je suis un king. Ah non, je fais 0. Il fait 0. Ah, t'as une tête de mort, merci. Ah, j'ai une tête de mort, pardon. Voilà. Ouais. Donc ça fait 7. Donc, 7, tu meurs. Je suis mort. C'est pas grave. Je suis dazed. Ok. Et tu fais quoi d'autre? Donc là, tu gagnes un token, là. Comme t'as tué le personnage, non? Non, parce que j'ai pas fait l'attaque qu'il fallait. Ok, nickel. Par contre, je t'ai fait un petit sap. Vas-y. Est-ce qu'il y a moyen de retourner en arrière pour savoir si j'avais fait un petit sap? Je me souviens. Non, mais c'est bon, vas-y, tu l'as fait, on te le donne. Ouais, vas-y, je l'ai fait. Vas-y, on te le donne. Voilà, je pense que tu vois pas. Bah, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Il voit, mais c'est dur, là. De toute façon, je n'ai plus assez d'énergie à cause du portail. Mais oui, donc, on a fermé trop de portails d'un coup. Je sais. Alors, par contre, j'ai... bah non, je peux pas le faire, ça aussi. Donc, ouais, non, je suis désolé. En fait, je génère plus... En fait, là, je me suis éteint avec les deux portails, là. C'est fini. La présence qui était hyper forte ne l'est plus. Mmh. Il faut que je me replace. Donc, je vais faire juste un petit move, comme ça. Ok. Du coup, c'est à nous. Ouais, moi, je vais juste, parce que je pense qu'on peut finir la partie là. Ouais. En fait, là, pourquoi t'as pas attaqué Moon Knight? Pourquoi t'as pas attaqué Blade? Moon Knight, il a un bleu, il y a déjà un bleu dans le dernier portail. On s'en fout. Blade, il a un rouge et un vert. Un rouge et un vert, je fais un double move, un bump, je les mets les deux. Je fais le charme le plus facile. Et alors, on s'en fout, t'as perdu la partie. Non, c'est pas une question de ça. C'est une question que moi, si je générais un petit peu d'énergie, je pouvais la taper. Récupérer le char, stratégie que j'ai pas vu. Non, mais sa stratégie, c'est de récupérer de la présence pour mettre des points de victoire. Du coup, là, nous, on fait un double move en espérant que je puisse avoir assez de mouvement. Mais je pense que oui, quand même. Oui, avec le bum, ça va passer. Hop, tac, j'ai poussé Moon Knight, tac. Et, je vous dis, on a une grande table. Hein, et vous avez je sais pas combien de persos, je peux pas tout voir. Oui, bien sûr. Je comprends. Et un bump. Et ça passe. Non, t'es déjà un. Ouais, je suis déjà un. T'as pas besoin de bump. Allez, tu déposes. Donc tu payes 1, je dépose. Ouais. Et 2. Et vous avez vu le nombre de possibilités que vous avez d'activation? Je peux pas. Bah ouais, mais bien sûr, mais c'est hyper chaud. Et là, du coup, en fait, avec Hulk, je vais utiliser One Below One pour 2. Ouais. Je vais bump de. Attends, d'abord, tu One Below. Fais les choses dans l'ordre, si tu veux bien. Donc, ben, justement, je vais bump de 2. Enfin, j'appelle ça un bump de 2. Mais... Ouais. Voilà. Ah, voilà. Après, je me déplace 2 fois. Attends. Le mouvement de S, c'est où la réglette de S? Attends, je vais te la mettre. Merci, Yori. Tu peux dire que c'est la S. Là, on peut pas avancer plus. Ouais. Bon, de toute façon, ça y va. Non, mais si, c'est bon. Ouais, après, il y a encore un bump de. Un truc de S. Ah. Si, parce qu'il y a encore un bump de 1. Il y a un bump de 1. Alors, fais le bump de 1 maintenant. Non, ça change rien. Si. Ouais, si. Si, c'est mieux. Si, tu t'optimises la place. Voilà. Et maintenant, le S, c'est bon. Je fais un mouvement de S. Tu payes et tu déposes. Et voilà. Vous avez vu parce que si j'utilise mon pouvoir pour bump de 1, j'ai plus de pouvoir pour payer pour le mettre. Non mais t'es sérieux? Vous me faites chier? J'avais que 3 pouvoirs, mec.
Donc c'est pas possible. Et bah c'est pas grave, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu, c'est juste que c'est bloqué ici. Je pouvais pas me déplacer. C'est fait. Avec les réglettes Miomi, je pouvais pas y aller en deux mouvements. Bon, troisième activation, c'est quoi? Bah du coup, violet, il n'y a plus que Strange qui en a un. Mais non, toi aussi t'en as un, mais Strange il a déjà joué. Il a joué en premier. Et tu peux pas. Donc là, nous on a fini. Ah non, il y a. Il y a qui d'autre qui a du violet? Personne, hein, on est non, d'accord. Non, mais y a... lui, il a qu'à pas jouer. Ouais, mais lui, il a pas de violet, on est d'accord. Non. Qui est-ce qui a du violet? Là-bas. Donc là, moi, je vais venir. Il y a qui a... Enfin, juste pour info, il nous reste pas en violet. Non, il nous en reste plus que deux. Donc en fait, c'est Strange et l'autre. Ouais. Donc en gros, voilà. Là, on peut rien faire tant qu'on n'a pas ça. Ouais. Hop. On va venir ici. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je reste pas juste là pour si jamais il est tombé? Et s'il y a Cléa, tu le tapes et que tu le tues. Cléa, je suis dazed. Ah, il est dazed. Ouais. Non, mais je vais venir là pour buter Dormammu au prochain tour avec lui. Là, il a peu de présence. Au prochain tour, il aura que 6 ou 7 trucs. Je vais le mettre là. Hop, tac. Ok. Donc, Dormammu. Ça, j'ai pas pensé au pouvoir pour interagir. Allez, moi, je me laisse pas faire. Tu vois, on va un peu vite. De toute façon, je pouvais. Non, mais là, c'était bien. C'était ce qu'il fallait faire. Qui c'est que je peux daze assez facilement? Alors, bah, t'as Blade qui a 6 points de vie. T'as Vaudou qui est en 4-4-6, qui a 5 points de vie. Ouais, c'est chaud. Tu vas jouer qui là, du coup? Pour info, que j'essaye de mettre une autre cam. Black Dwarf. Black Dwarf. Ouais, Black Dwarf sur Strange. Ouais. Ouais. Petit mouvement de tout. Hein. Allez, go. On tente. 8 dés. Strange en a 3. 1. 1. Moi, je vais voir ce que ça donne. Ça fait mal. Ça fait 5. 6. Relance. Ça fait 0. 0. T'es daze. Ouais, j'étais daze de toute façon. Donc, t'es mort? Non, il est dazed. Mais du coup, on lâche deux objets. Ouais. Je lâche deux trucs, mais tu peux pas les ramasser avec lui. Il peut pas les ramasser, lui? Non. C'est cool, ça. Ouais, mais Dormammu va pouvoir les ramasser. Mais en même temps, ça nous arrange, en vrai. Comment ça se fait que tu joues lui, là? Quoi? Bah, j'ai joué elle avant. Ouais. Donc maintenant, je joue lui. Au premier tour, t'as joué juste Dormammu tout seul? Non, Dormammu et elle. Dormammu et elle. Dormammu et elle, Dormammu et lui. Et là, tu vas rejouer Dormammu non, derrière? Non, là, il va jouer Dormammu, là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah, ok. Je vais faire mon attaque spéciale. La spéciale de Yuri. Sur qui? Sur Hulk. Ouais, ok, mais... sur... C'est du quoi? C'est quoi physique? 4 défense. Okay. Ça en fait 2 potentiellement. Voilà. 1. 2 défense. Sous relancer. Ça en fait combien? 5. Ça fait 5. Moins 2. Alors attends. T'as pas de pouvoir, tu peux pas payer. Ah ouais, ok. Tu prends 3. T'as une défense? Non, ouais, deux défenses. Deux défenses, moi j'ai un pierce. Donc, tu prends 4 dégâts. 4 dégâts, 4 pouvoirs. Je t'ai pas tué, mais... C'est parfait. Mais finalement, je fais la draw power. Pourquoi? Comment tu fais? Parce que ça me dit qu'à chaque fois, je fais la draw power. Une fois même, que sans faire, même sans quand, bah, même quand tu daze pas. Je sais pas, bon, c'est pas marqué. Donc... Bah, tu m'avais dit qu'il fallait que tu dazed, non? Non. Après, il y a un point. Vas-y, affiche la carte. Ah, s'il y a marqué Zen. If the target character was dazed or KO by this attack, add one shard to the Nexus. Zen. Donc après, ouais, ce caractère peut... C'est obligatoire? Zen. Bah, ouais, oui. Zen, c'est une fois que tu l'as. Ah, ouais, j'aurais pas fait ça alors. Bon. Je sais pas, bon, ça me semblait pas si gros que ça. Hein. Mais j'aurais pas fait sur lui quand même. Après, t'as apporté deux, t'avais que lui. De toute façon, si tu le fais pas tomber son truc, on gagne au prochain tour. Parce qu'au prochain tour, la première action, c'est de déposer. Eh ben, je tape. Allez, vas-y. Sur du quoi physique aussi? Énergétique. Énergétique 3D. Oh Marco, un crit. Deux défenses. Je fais rien. Alors, ça power. Par contre, ça power.
Okay. Ouais, tiens, je te le donne. X. Vas-y, prends-le. Prends-le. Power et X. Prends-le dans tes. Il est immunisé au X. Ouais. Ah ouais, merde. C'est bien, il suit bien là, Jérémy. Il est cool. Bon. Vous avez plus rien à jouer ? Non. Bon, bah, je réactive dans ma moue. Donc, je crois qu'il gagne 1. Ce qui est vraiment génial. Attends, parce qu'il va faire tomber le. Il va faire tomber. Bah non, il faut qu'il me daze. Ouais, mais attends. 5, il faut qu'il mette 10 PM. Ah ouais, mais t'as plus de quoi payer de grosses attaques là, c'est ça le truc. Bah non. Il faut qu'il mette 10 PM, il faut y aller aussi. Ouais, ouais, mais. Moi, j'ai déjà vu Yuri être 5 puissant. Crit, 5 crit, ouais. 5 crit, et ensuite je compte les crânes, 5 crânes. Bon, vas-y. Allez, Yuri, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais attends, laisse-moi réfléchir. Pour 1, je me serais remplacé. Tu vois, j'aurais fait ça, tu vois. Bah voilà, très bien. Ok. Le Blade, il a combien là ? 6 points de vie. Et les boss sont Dormammu quand même. Hein. C'est très beau, il rend bien. Ah, il est bien, ça fait bien avec le pilier, là, on voit bien l'effet de lumière du pilier. Bon, je vais tirer sur Hulk. Je vais faire bientôt un short pour savoir comment faire des. Tu vas faire quoi comme attaque ? Énergétique encore ? Ouais, malheureusement, ouais. Là, t'es plus à 2 hein, par contre. Bien sûr que si, je suis à 2. Si, il est à 2. Le truc, il fait moins de 2. Donc il a. Ouais, mais Hulk est pas collé au truc. Pour moi, il y a. Bon, bah alors, Blade. Non, mais si. Non, si tu veux. Non, mais de toute façon, je vous avoue, je sais plus quoi faire. Bah oui, là, pour moi, malheureusement, c'est. Et ça fait 2 défenses. Défense. Ouais, bon. Du sacrifice de défense. Allez, Blade. Pour le jeu, pour essayer de killer au moins un dernier truc avant de disparaître dans l'éternité. Ça, c'est quoi, là? Tu pourras changer. Ouais, je sais. J'avoue que... Tu m'as tapé, Blade, ouais. Sur du quoi? Du énergétique. 4 à 3D. Tu fais 3 défenses. Mais non, ouais, t'as lancé 4D, là. Ah, j'ai 3D. Ouais. Bon, tiens, bah, vas-y, relance 3. Non, relance 3. Je relance tout. Bah oui. Okay. Enlève tes 2D. Oh, c'est encore pire. 3 avec 2 clics. Oh là là là. Allez. Bon, voilà. Ouais. Ok. Tu mets rien. Ça fait plein. Là, ça c'est plein, ça. Attends. Mais tu ne mets rien du tout. Tu mets des 4, non ? Ouais, je crois que je te mets un dégât, mais attends. Parce que quand ce caractère défend contre une attaque physique, c'était quoi comme attaque ? Énergétique. Énergétique, donc ça marche. Mais tu peux payer Bats of the Ghost Hound. Ouais, bah c'est bon, pour un dégât. Okay. Allez, prends un dégât. Non, mais je fais un dégât, je fais plus rien. Ok, fin du tour. Fin du tour, tu marques 0 points du coup ? Non, mais de toute façon, là, c'est fini. Et là, au nouveau tour. Au nouveau tour, et bah, bien joué. Il dépose. Bah, du coup, je dépose. On tient la carte pour rigoler. Exactement. On la carte pour rigoler. On la tire quand même ? Non. Bah ouais, si, on ferme le dernier truc, on se marre, on regarde ce que ça juste fait. Qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi le nom ? C'est Stalking Shadow. Donc en fait, c'est vous aviez tiré toutes les cartes bonnes. On peut placer n'importe quel d'allié à 2 du portail. Et hop, on ramène tout le monde et c'est la fête de Dormammu du slip. Eh ben, belle game, Yuri, c'était cool. Mais ouais. Écoute, moi, c'était bien parti le premier tour. Ouais. Non, ouais, il y a un truc victoire. Victoire. Wouah. Moi, j'ai appris, par contre, c'était pas les bonnes écritures, mais c'est pas grave. Alors, bon. Du coup, tu peux l'enlever, on enlève la carte, on va reprendre les petites caméras pour débrief. Ouais, ok. Ouais. Win de hasard du Marco. Bon, tu vois, au début, t'as râlé, hein, mais en fait, on. T'as râlé ? Moi, j'ai râlé. Marco ! Marco ! Non, lui, il a râlé, Alzer. Mais au non, j'ai pas eu trop l'impression, après, je suis un râleur de nature. Mais... Ah, voilà. Mais il y en a d'autres dans cette pièce, Marco. Ouais, bah, j'ai pas trop râlé, moi. Oh, bah tiens. Vous mettez en commentaire pour savoir s'il y a eu un peu de râlage au niveau des jets de dés. Bon, parce du coup, Yuri, tu peux te décaler un peu parce que, comme tout à l'heure, il a foutu un petit shoot dans ta cave, tu vois, au passage. Parce qu'il était vénère, il venait de rater son défense. Non, mais je suis bien. Non, j'ai fait des bons jets de défense. Ouais, hein, Non, c'est une partie très dure. Non, franchement. En fait, c'est dur des deux côtés. Ça paraît dur des deux côés. C'est ça qui est bien dans cet encoupage. Ouais, alors là, j'avoue que. Ah, bon, j'ai pas tous en même temps. Qui c'est qui commence ? Moi. Vas-y, vas-y. Moi. Non, j'ai besoin de parler. J'ai besoin, parce que traumatisé de guerre. Traumatisé de guerre. Donc. Le côté intéressant du jeu, c'est on se sent ultra ultra puissant, mais en fait d'un coup la partie a basculé à partir du tour 2 où j'ai rien fait avec Dormammu sur deux activations. Ouais. Ça a changé tout
toute la game, mais alors absolument toute la game. Et au début, je me sens mieux. Au fin du tour 2, je me sens pire qu'une merde. Et le tour 3, j'ai pas pu remonter, tout simplement, en fait. Hein. C'est un truc incroyable. Et effectivement, faut pas trop râler, parce que ça paraît complètement insurmontable. Ouais. Pour vous, je me mettais à votre place. Ouais. Ça paraissait insurmontable sur le premier tour. Au début, c'était ouf. En fait, ce qu'on se rend pas compte quand on joue, c'est qu'en fait, au début, tu prends la dose de ouf. Et après, au fur et à mesure que nous, on avance, c'est toi qui prends la dose. En fait, c'est toi, il faut que tu scores dès le début, il faut que tu déboîtes de ouf pour gagner. Ouais. Et nous, en fait, bah, c'est au fur et à mesure qu'une fois qu'on t'empêche de faire des trucs, c'est mort. Et alors, j'avoue, j'ai fait une grosse erreur. C'est que comme le tour 1 s'est bien passé, j'ai été imprudent sur le tour 2. Mais j'avoue que je n'aurais pas pensé me prendre autant de trucs. Surtout que, en fait, le Dormammu, je le laissais en disant « Bon, là, il n'y a plus que deux mecs activés. » Oui, mais il y a les mecs de l'autre côté qui peuvent se téléporter. Ouais. Bah oui. Il n'y a pas que 17 de menaces. Comme toi, aussi, tu pouvais nous atteindre à n'importe quel moment. Ouais. Hein, c'est la problématique de ça. En plus, on se prend des dégâts, toi, tu ne te prends rien. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, ça m'a donné envie de faire d'autres encounters, puisque c'était la première fois que je faisais un encounter. Non, je crois que j'avais joué contre Hulk une fois, mais c'était le tout premier encounter. Et franchement, là, c'est vraiment stylé. C'est t'as vu quand on avait testé, Ludo on s'est dit, ouais, c'est super dur, c'est super chaud, Dormammu, il éclate tout et tout. Moi, je pense que... Mais maintenant, on peut se le faire en niveau difficile. Hein. Je pense que ce qui t'a perdu ici, c'est qu'on est très loin l'un de l'autre, donc t'as pas pu voir sur nos cartes quelles composantes. Oui, ça a joué énormément. Ouais, je pense. Parce que du coup, il y a eu pour moi des choix de cibles. Ouais. C'est des choix de cibles qui n'étaient pas les bons. Là, parce en fait, quand on se regardait, je me suis dit, putain, il a pas vu qu'il attaquait. Quand on a vu que t'attaquais Moon Knight qui portait le truc bleu, bah, on s'est dit, alors qu'il y avait Blade juste à côté qui portait les deux nécessaires à fermer le portail, on s'est dit, bon. On aurait pu te le dire, mais on a décidé. On a fait la stratégie. Parce qu'au début, toi, tu voulais absolument fermer un portail. Ouais. Mais au final, lui mettre deux à chaque truc, c'est ultra stratégique. Parce que après on se déplace d'un coup et on ferme tout là, et il prend cher direct. C'était pas mal de fermer le premier portail quand on a pu aussi. Parce que pour lui, ça lui fait des zones où il ne peut plus venir aussi. Hein. Alors là, à un moment aussi. Ça aussi, c'est une chose qui est assez intéressante. Bah, surtout que là, quand il est allé là-bas et qu'après on a fermé les deux d'un coup, là, c'est bon, il était ouf quoi. Vous ne pouvez plus te déplacer qu'à côté de ton Nexus. Et ça paraît très chaotique. Et pourtant, en fait, on contrôle bien la fin de partie. Là, je pense que tout le monde est... Ouais, on comprend mieux la façon dont ça se passe. Et moi, le fait que Strange pouvait bouger quelqu'un à 3 ou bouger quelqu'un de 3, c'est vraiment hyper puissant, en fait. Moi, je pense qu'objectivement, notre team... a été plutôt pas mal. Pour moi, elle n'était pas du tout... convocation, je pense que... Vaut mieux pas jouer ça face à Dormammu parce que c'est pas vraiment. Moi je vois par exemple Cléa, etc. Bon, c'est des persos qui ont bougé et tout, mais ils ont pas trop fait de taf. J'aurais préféré avoir d'autres persos à leur place. Par contre, globalement, je trouve que c'est vraiment un mode de jeu hyper sympa, hyper rafraîchissant. Déjà, être deux d'un côté contre un seul type. Ça a le côté un peu cool, tu vois. On se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? Non, laisse-moi faire ça, j'ai une bonne idée, mais si, ça va marcher et tout. Vraiment c'était super cool. C'est pas facile d'être tout seul en plus Yuri, donc chapeau à toi. Et en plus c'est vraiment une mécanique différente. Et bon, c'est vrai que nous on pressait pas mal quand c'était ton tour en plus. Vas-y, perds. non, globalement c'était vraiment cool. Au final on a envoyé zéro décor. J'ai pas envoyé une poubelle ou un truc moi à un moment. Non, on l'a jeté sur un... C'est Hulk qui a été jeté dans Cléa. Ouais, Hulk, il a été jeté en Cléa, ça fait mal. Cléa qui prend la carte, elle est blessée, il lui reste un point de vie, on se dit elle est morte, boum, elle revient full life. Elle a la carte du banishment, elle est tombée. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Gazda au début de la partie, sur putain, mais oh, regarde, sur le chat mort, j'ai déjà deux personnes et tout. Et à la fin, tu vois le sourire, il a vrai, il est un peu sûr. Et après, il est heureux de ouf, mais là, il fait que des manger. Non, mais attends, mec, on met notre arme la plus puissante entre tes mains, c'est-à-dire Immortal Hulk. Il a fait que caresser. Comme quoi, ça prouve que finalement, la poutre, c'est pas que des trucs de ouf, quoi. La poutre, c'est une affaire aussi de jet de dés. Pas que de jet de dés, parce qu'il faut bien se placer, optimiser et tout. Mais c'est clair et net que quand t'as une pièce à 7 points,
qui fait avec 7D, qui fait, alors qu'il n'est pas ex ni rien, il te fait 2 touches, 3 touches, c'est dur d'avoir payé 7 points là-dessus. Surtout que le problème de Hulk quand il attaque Dormammu, c'est que Dormammu il est taille 5, donc avec les wilds et tout en plus. Ça n'a rien fait. Mais bon, c'était un choix aussi qu'on avait fait en disant qu'on voulait quelqu'un de vraiment stockos pour pouvoir, à la limite, au bout d'un moment, il était capable. Parce que même les trucs qui tombent par terre, il pouvait les ramasser. Au début de la game, il n'a pas vraiment fait, mais à la fin, tu vois, il y avait 15 PV à tomber avant qu'on tombe le dernier truc et c'était dur à tomber ça. Voilà, si le truc avait été sur Blade, Blade il avait été sur un petit gars, on l'aurait perdu direct. Voilà, après, la chance qu'on avait, c'est qu'une fois qu'il en a 3, il doit les remettre. Dans le sac. Oui, et par contre, il prend un charme. Mais pareil, c'était le. Non, et puis on l'a bien. Moi, c'est avec Strange. Hein. Strange, laisse tomber comment il a découpé. Ouais, mais... Les trucs avec les relances, les machins. Et en fait, c'est. Et on l'avait vu aussi dans après, la partie Midnight un peu de test Sun avec aussi, Yuri. C'était une bonne affi pour ça, parce que les bumps. Très mobiles. Ouais. Mille de rien, ça change la donne. Ouais, tu vois. Après, bon, j'aurais pu jouer le. Comment dire. Mon pouvoir d'affiliation de l'autre côté avec. Avec, je crois que c'est une relance. C'est vrai que je pense que des Avengers ultra solides d'habitude en genre avec des Thor, des Hulk, le Captain America, peut-être que ça aurait pas passé aussi bien parce qu'ils pouvaient pas se replacer et tout après. Bah si, attends, il y a Avengers Rassemblement, tu fais un mouvement de S. T'as Hulk alors, classique. À noter que les cartes elles peuvent pas se partager, sauf que. Avengers Rassemblement, si vous avez pris 2 teams d'Avengers, genre si vous voulez, genre 17 et 17 non. d'Avengers, Avengers Rassemblement marche sur tout. Je crois que le principe, c'est quand même de séparer les cartes des deux tris. Moi, je pense pas que ça marche. Non, quand c'est les alliés et les auras et tout, ça fonctionne. Hein. Moi, je crois que... Vérifier. Après, on a peut-être fait des erreurs aussi sur la game. Après... le but, c'est pas de jouer forcément la game parfaite. Le but, c'est de jouer une game où on s'amuse. Et là, franchement, le fun était là. C'était assez cool. Et je pense que la partie est bien représentative. Sympa quand même au départ. Bien représentative. Ouais, les premiers tours. Clairement, au début, t'as vu, au début, le premier tour, il m'a daze. Comment il s'appelle, Iron Fist. Il s'est fait fister direct. Ouais, mais au final, il a chargé t'as en pouvoir. Qui t'as daze Wong. Ouais, mais moi, c'est ce que je t'ai dit tout de suite. Le fait qu'on soit dazed dans ce scénario, ça nous gêne pas tant que ça. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas de sécure, de trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu finir tour 2. Ouais, Mordo, tous les blessés. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû fallback aussi loin. Faire les activations. Si, parce qu'au final, après, il s'est déplacé, il a pris le truc violet qui nous manquait. Du coup, il a pris la boue. C'était pas si mauvais que ça, au final. Ça s'est révélé pas si mauvais. Après, avec le recul, j'ai quand même fallback. Au final, j'étais quand même à portée. Après, il a pas pu ramasser le truc violet grâce au fallback que j'ai fait complètement. T'étais à portée, mais plus pour son attaque qui te met, qui lui donnait. Voilà, il y avait une amélioration. Ça. Ouais, mais en faisant fallback un tout petit peu, ça aurait suffi. Par contre, grâce à ça, il a pas pu ramasser le composant violet. Par contre, grâce à ça, il a pas pu ramasser le composant violet que moi ensuite j'ai ramassé, qui nous a servi à fermer le portail. Donc bon, au final, ça s'est révélé pas si mal, mais. Et on va pas, voilà, faut pas dire que j'avais vu le coup venir. Non, t'avais pas vu le coup venir, mais. À la base, on s'est écarté parce que si là, il tuait, il remontait niveau 1 et là, il commençait à se faire... Enfin, tu sais, une fois que t'es niveau 0, déjà, t'as pas de pouvoir. Donc je vois sur le tableau, là, et je suis à 2, je suis à 3. On a joué vite, mais je me transformais, je me mettais en présence 1, mais ça sert à rien. Ça fait 3 sur 8, quoi. Voilà, ça fait 3 sur 8. Ouais, 3 sur 8. Tu vois, j'ai même pas avancé. En fait, le tour 2, il m'aurait bien réussi... Il y aurait eu moins d'activation de votre part. Ouais, mais enfin, tu vois. J'aurais peut-être eu un peu moins de dégâts, peut-être. Mais j'aurais récupéré quand même de la charge ici, ce qui m'aurait permis de revenir plus rapidement. De revenir en 3 et en 3 de victoire. Parce que si, même s'il passe niveau 1, il aurait gagné déjà 2 Donc, points de victoire de plus, il sera à 5. Ouais, 5 sur 8, c'est pas mal. Hein. Ouais, 5 sur 8. Ouais. Mais je comprends pas, parce que tu avais dit que tu ferais une technique où tu te repliais à chaque fois et au final, tu t'es jamais replié. Non, parce qu'en fait, tu pouvais pas le faire à chaque fois. Il a pu le faire la première fois, mais c'est tout. Autour 2, t'as décidé de pas te replier à ce moment-là. Non, parce que là, je me suis dit, il reste plus que deux activations. Ouais, non, mais voilà, mais t'as fait. Parce que je fais ma première attaque, il se passe rien sur mon ou sur un mec de merde. Et je fais, faut que je fasse la deuxième attaque pour avoir la charte supplémentaire. Mais tu vois, en comptant en plus, en disant, je vais avoir la charte. Je l'ai pas, donc je fais, putain, j'augmente pas. Et je reste sur place. Mais qu'il met dedans, parce que la fois d'avant, il nous déche des gars, donc il récupère full pouvoir. Non, mais pas trop. Pas trop, mais
Mais à la fin, tu peux réutiliser. Non, mais je comprends pas. Yuri, j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là. Il pouvait pas se re-TP. Après, il pouvait pas se re-TP. Parce qu'il fallait. Ah, donc tu cherchais le sap power en fait. Non, non, il avait besoin de pouvoir. Mais il gagne pas de pouvoir ces attaques. Non, non, mais quand je TP, il faut que je rebouge. Il fallait que je rebouge. Voilà. Ou que j'utilise 3 points de pouvoir pour me remettre là. Et là, il pouvait pas à chaque fois. Pour me re-TP là. Donc c'est super intéressant. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant ce TP. Parce qu'en fait, tu te dis, ouais, mais je peux aller n'importe où, on peut tout faire, on peut tout contrôler. Pas tant que ça, en fait, mais pas tant que ça. Donc en fait, le but, c'est hop, je me mets là, autour, je tape des trucs et tout, je bouge, hop, je me remets sur celui-là. Et c'est super intéressant. Ce système de portail, d'ailleurs, il devrait le reprendre pour un scénario. Ouais, mais il y a un scénar hein, où tu peux te téléporter, tu sais, c'est les. Objectifs. Non, mais c'est des portails qui. Qui sont reliés. Là, c'est un portail ça A. Vaut le coup de... Il va sur un portail B et tu peux te téléporter que à partir du A vers le B. Si vous avez c'est vachement intéressant. Si vous avez du Dormammu, je vous invite à essayer de faire ça avec deux potes à vous. Vous allez vous marrer. Ouais, parce que franchement, c'est marrant. Moi, ça m'a donné envie d'en refaire des ordres. Ouais, puis c'est bien, ça change, c'est hyper rafraîchissant aussi. Et puis, il y a moins, je trouve, le côté compétitif qu'on peut avoir dans une partie habituelle où on se dit, ouais, si je gagne, ça veut peut-être dire que je suis plus fort, ou si je perds, ça veut peut-être dire que je suis moins fort que l'autre. Alors que là, comme on est deux contre un, ouais, mais tu vois, c'est un peu le sentiment que tu peux avoir dans les jeux d'opposition en règle générale. Alors que là, dès que tu joues à plusieurs contre un, de toute façon, la game, dès le départ, elle est tellement asymétrique qu'il n'y a plus vraiment de notion de compétition. Donc, on retrouve vraiment le pur plaisir du jeu. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je propose de répondre à une question de conclusion. Gural, est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu recommenceras ? Oui. Oui. Adair, est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu recommenceras ? Oui, moi, ça m'a beaucoup plu. En plus, ça a permis de tester la table. Je suis hyper content. Et oui, je suis prêt à recommencer. Bon, franchement, là, j'applaudis. Parce que les premières fois qu'on s'est vus, c'était full... tu voulais faire des full parties un peu... avec des personnages, enfin comment dire, c'est un peu opti. Et là, en fait, ça te plaît de jouer du fun. Et ça, je suis content parce que j'ai réussi à lui faire faire du fun. Bah dans cette optique-là, on ne joue pas fluff sur cette partie-là, on jouera du fluff. C'est rigolo. Non, mais le truc, pourrais dire au final, j'aime pas ce genre de truc. Non, mais quand tu dis ça, c'est parce qu'en fait, quand je fais une team et je vois qu'avec un splash, c'est tellement mieux, c'est hyper difficile. Et puis, tu mets des conditions pour qu'on joue. Là, genre... t'as rien mis. C'est toi qui te les as mis tout seul. Ouais, bah... C'est vrai, ça. C'est vrai, je t'avais rien dit. Non, mais j'ai essayé de faire un truc un peu cinématographique, comme j'avais fait la table et tout. C'était super cool. Ouais. C'était super cool. En plus, je pense qu'au final, les compos... Parce que, je vais être franc, je n'ai pas préparé ma compo. C'est Azer qui a préparé les compos. Moi, je me suis occupé de la partie technique. Et non, franchement, c'était super cool. Mais les compos, au final, en y réfléchissant à la fin, elles étaient plutôt bien choisies, je trouve, pour... J'ai essayé de faire un truc un peu fluff et pas trop pété non plus, avec des persos qu'on ne voyait jamais. Je veux dire, Cléa, je ne vois pas quand est-ce que je la joue. Donc, c'est pour ça que là, je l'ai mis pour lui donner un peu de trucs. Et en fait, au départ, on devait avoir Chosen of Bast, donc le dernier Black Panther... Et un autre perso... Ghost Rider. Bon, il aurait été bien aussi. Hein. Et Ghost Rider. Parce que là, et Okoye. Ouais. Et Ghost Rider et Okoye. Ouais. Et au final, du coup, ça rentrait pas. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de 9 persos. Donc, ça voulait dire des personnages... Il y en avait au début qui ne s'activaient pas, mais à la suite, il y en a qui s'activaient. Ouais, bah, tu vois, voilà. Ouais. Donc, au final, c'est bien aussi. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, tu vois, si jamais tu te fais des persos pas activés... Et puis, on avait un bodyguard. En surnombre. Et c'est bien aussi, je pense, d'avoir un bodyguard. Ouais, après, je pense vraiment que le fait d'avoir un perso vraiment stock dans l'équipe de Chris, c'est bien. Hulk, il a fait la game à la fin. Ouais, mais même un Hulk classique quoi, avec ses 20 points de vie et puis pour le tomber faut y aller Bon, en tout cas c'est cool. C'était excellent, franchement c'était génial. Moi j'ai kiffé la partie, j'espère qu'on en proposera d'autres. J'espère que vous aussi vous avez kiffé nous regarder. Bon, il y a peut-être un peu des lenteurs à un moment donné, mais c'est pas grave. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Et tiens, je vais juste rajouter un dernier petit truc. On va faire gagner une petite boîte avant. Bah ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Je suis content. Du coup, bah, je vais juste proposer une boîte. Donc, est-ce que tu peux aller chercher une boîte dans les boîtes au hasard? Comme ça, la main de l'innocence va piocher une boîte. Ouais, il y a des boîtes MCP dans le dernier carton. Ne prends pas les boîtes de Durex à côté. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de liker la vidéo et de mettre... on a niqué dans ma non, comment on pourrait dire la Dark Dimension Fade. Ouais, ça me vient.
Dark Dimension Fade. Allez, vas-y. Donc, hey. On va faire gagner la boîte de cabane. Donc, la boîte de d'affiliation base. De la boîte V1, du coup. D'ailleurs, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les nouvelles boîtes de base. Donc, ouais. Vous êtes et des nouveaux joueurs qui se sont abonnés pour cette vidéo. Vous avez peut-être bien. L'occasion de gagner le pack cabane V1. Ouais. En mettant Dark Dimension Fail. Sachant que dans ces quatre personnages, il y a notamment le Baron Zemo à 3, qui est un des personnages les plus utilisés pour l'attrition. C'est un bon perso de soutien qui permet de faire des relances. Il charge, il bouge de L, il ne coûte que 3. C'est un super perso. Je suis sûr que celui-là, vous aurez aimé avoir les cartes en français. Il y a les nouvelles cartes en français dedans. Oh non, ah oui, je n'étais pas en plus. Moi. Non, c'est vrai. Donc, du coup, bah, Dark Dimension Fail avec un gemme. Et n'hésitez pas à commenter. En tout cas, on est ravis de vous faire des vidéos avec Entre Jeux Studio. Oui. Et on vous dit à très bientôt, les amis. Allez, à bientôt.